Ah, vas-y, va les rejoindre. Vas-y, voilà. Je vais faire les cobites en live. Excusez-moi, je pensais à un roux debout sur la table de joueur du grenier en train de faire la bite. Il fait la bite carrément. Je suis une bite. Ah, c'est bon. J'entends. J'espère que ça dure pas 3 heures. Hein. Moi, j'ai ça dure 2 heures normalement. Bah, en fait, elle prend un truc à manger, Poichiche. Hein. Mais là, j'ai pas le temps. Mais moi, j'ai. Moi, ça va, j'ai. Et... En vrai, si, t'as le temps. Je te le dis tout de suite, t'as le temps. Il y a la présentation, les annonces que ah, vas-y, contents. je reviens. Oh, on fait un bingo. Bah, un bingo, il te reste 4000 pour faire le bingo. Un bingo. Première case, malaise. Bah, de toute façon, il y a Jove déjà. D'accord. Moi, je pensais vraiment avoir par rapport aux annonces. De toute façon, je crois que ça c'est un peu con, mais sur Steam, ils ont prévu en quelque sorte des petits menus pour qu'on puisse voir les jeux qui ont été annoncés durant cette semaine par rapport au Summer Game Fest, etc. Et du coup, bah, j'ai cliqué et du coup, bah, y a peut-être les jeux que j'ai vus qui vont être annoncés. Donc déjà... Je sais pas tout ce qu'attendu. Bah déjà, je pense qu'il y aura, de ce que j'ai vu, déjà, il y aura Among Us, la version animée. Qui va avoir un petit teasing, un petit... comment on appelle ça déjà? Un sneak peek, comment ça se traduit ça? Un trailer. Non, mais pas un trailer, tu vois, juste un aperçu, je dirais. Ouais, bon. Et après ça, j'ai vu qu'il y avait la suite, ou je sais plus, parce que je suis pas non plus un connaisseur sur ce jeu, mais il y a la suite de Gris qui va être parlé, je pense. Voilà. Gris? Oui, Gris. Le jeu fait par des... Enfin, publié par Devolver. Ouais, et que du coup, ils ont annoncé je pense la suite. Parce que j'ai pas joué à ce jeu, mais vu que ça c'est fait par les mêmes devs, donc voilà. Est-ce qu'il y a public ou pas? Un public? Est-ce qu'il y a du public? Bah non. Oui. Non, bah, ah bon? Ah bah, si, si. Non, tu te rappelles pas, Wizard, quand le mec est monté sur scène, il a fait « GTA 6, il arrive quand ?» C'était sur Summer Game Fest, c'était pas au Game Awards? Oui, c'était au Summer Game Fest. Alors, je me souviens plus lequel. Je crois que c'est les... Bah oui, l'an dernier, en vrai, je crois. D'accord. Allez, plus que 2 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bingo. Tu me partageras ton bingo après. Ouais, t'inquiète. Il y a quoi comme jeu qui est annoncé? Je crois qu'il y avait... Il y en a pas mal en vrai. Trailer de Death Stranding 2. En vrai, il faut voir avec les développeurs. Attendez, il faut que je vois. Il faut qu'on voit. Parce que j'avais partagé l'image des partenaires qu'il y avait. Donc, il y aura Capcom, 2K, Amazon Game, Amazing Sunshine. Plumhouse, c'est... Ah non, Plumhouse, ok. Parce que je croyais que c'était... Pour moi, c'est les jeux... Plumhouse, c'est... Parce que je pensais que c'était ceux qui avaient fait les films Five Nights at Freddy, donc je me suis dit peut-être qu'il y avait le... T'as raison, Hugo. Il y a qui, tu dis? Il y a Gearbox? Gearbox, je regarde dans la liste. Attends, non, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a Rockstar, en gros? Est-ce qu'il y a Rockstar? Non, pas Rockstar. Alors, il y a Supercell, je sais pas comment on le prononce, mais c'est ceux qui ont fait Clash Royale et les jeux mobiles. Oui, il y a Ubisoft, Warner Bros. Studio. Alors, bah maintenant il reste plus que 30 secondes, donc dépêche-toi. Il y aura 15 minutes de malaise, t'inquiète. Oh, il y a Steam, annonce Half-Life 4. Non, je pense qu'ils vont faire ce qui était pas déjà partagé sur Twitter avec le nouveau jeu là, fait par Valve là. Ah, t'as raison, oui, le Valotier, là. Ouais, le nouveau jeu qui va être dev plus que CSGO ou même Team Fortress 2, hein, je tiens à dire. Allez, ouais. 3, 2, 1, c'est y part. Attends, faut que je regarde ça. Bon, voilà, de toute façon, tout est dit, hein. Bon, normalement, j'espère que le summer... Après, c'est pas grave si... je tiens à dire un truc, je m'en fous, si je me fais strike, c'est pas grave. Tu disais? Vous avez des idées de bingo ou pas? Non, là ça commence là. Ouais! Wouh! Ouais! Ah, il arrive. Non, Wizard, j'ai ça pour l'instant. Yeah, I am Joff.
c'est le même studio que... Enfin, la même scène que le Game Awards. Je sais pas ça. Wizard, pour l'instant, j'ai ça. Ok, je vais regarder. Je crois qu'ils font pas tout le temps dans la même salle. Hein. Pour moi, je pense pas. Non, pour je moi, pense le pas. Game Awards est beaucoup plus grand. Ouais. Parce que si tu ouais, je crois que la scène était plus grande aussi. Live from the YouTube theater here in LA. Now, if you're watching this show, first of all, welcome. I know everyone around. OMG, il y a le logo Amazon. Merci beaucoup. I know if you watch this show, you don't just play games, you deeply care about this art form and the health of this industry. Wizards, qu'est-ce que je peux ajouter? Mais je m'en fous. Mais je veux faire un bingo. C'est drôle de faire un bingo. Bah, fais un bingo avec ta mère. Pardon. En fait, avec ta grand-mère, là. Désolé, Summer Game Fest. Désolé, Geoff. Vas-y, bah, niquez-vous, j'enlève le bingo. Je vous délaisse tous à part. Et encore une fois, plus Wizard. Oh, mais t'inquiète. Évidemment. Il y aura plus, hein. Is evolving and changing. And thanks to digital, ouais, de base, je voulais juste être heureux. Après, le bingo, il fallait faire bien avant, en vrai. Ouais, mais on jouait parce que Wizard mais je l'écoute, le monsieur, s'il vous plaît. Mais il parle anglais, on comprend pas, c'est bon. Top... Oh, trop bien. Ah, mais non, mais on s'en fout, en vrai. Ah, Buckshot Roulette, putain, je m'attendais pas qu'il soit dans les top Palworld. 10. Palworld. I look at this list, it's pretty cool, right? And I get inspired. Pardon. C'est vrai que en vrai, il est pas mal réputé, hein. Bah en vrai, oui, il a été genre Dragon Dogma 2, il est aussi joué. C'est un scandale pour Paul Chicha. Palworld en vrai, ouais. Putain, il y a J-Proc Farato en 9e. Bah ouais, c'est devenu un jeu ultra actif, hein. Ouais, bravo, en tout... bravo. Bah, en tout cas, bien joué, hein. Hades 2, ça me surprend pas. Bon, bah. Hades 2 est moins joué, était moins acheté que Super Marketing Latin. Ah, il a parlé Batman, donc je sais pas. And first-time creators that we invited to be part of the show boss, ouais. Because we think this platform is important as a way to show you new things that you might not even know about. So when you see a game that piques your interest, please wishlist it or even better. Oui, la wishlist c'est cool. Oui. Oui, t'es mu, c'est bon, c'est bien. Can grow the gaming community, and we are going to do that today over the next 2 hours, as we have a lot of games to yes. show you, plus Day of the Devs directly after with even more indie titles. So should we get ah bon? To the games? Ouais, les jeux. All right. It all begins right now. C'est vraiment d'ironie, Pois Chiche, à chaque fois. Hein. Tiens, première annonce. Allez. Déjà ah. Oh, Lego. C'est pas Lego. Alors, est-ce que c'est pas le truc? Parce que je sais qu'il y a Farrah Williams pas, qui aura... C'est Fortnite. Ah, c'est pour... Non, je pense pas, parce que PlayStation, quand même. Kiraya. Oh. Ah, mais attends, c'est... Oui, c'est Horizon, ça. C'est Horizon. Ah, c'est une collaboration, ok. Alors, ça doit être... Attends. Si c'est que Horizon, c'est Fortnite. Bon, Fortnite. C'est tous les trucs. Attends, quoi? An amazing video game lead. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est comme le jeu Minecraft qu'ils avaient fait, le Minecraft de jeunes, là. Il est un peu scampé, là. Ça a l'air mignon. Ça a l'air à chier. Ça a l'air mignon. Ça a l'air cubique. Ouais, c'est mignon, quoi. En vrai, moi, Lego, ça me donne envie de crever. Le premier, j'ai mis 1000 ans à le finir. Moi, j'aime beaucoup Lego. Là, l'autre, j'ai pas du tout fini. Fun. C'est sympa. C'est sympa. C'est joli. Bah ouais, pour un jeu Lego, c'est pas si mal. Après, ouais, le gameplay peut pas attirer certaines personnes. Un jeu Lego, mais... un jeu qui existe déjà, let's go. Et après, vu que c'est un jeu en particulier pour lier avec, avec PlayStation... Oh non, Low Dog. Non, Dog revient.
Lego Horizon, bon, allez, c'est bon. Ah oui, c'est une exclus sur PS5, mais on prévoit sur Switch et PS, Steam et Epic. Hein. Ah, chier. Ça pour jouer à Horizon sur Switch, quoi. En 30 FPS. That was Lego Horizon Adventures coming out later this year for PlayStation, but also Day One on PC and Nintendo Switch. It's a ah, Day One aussi sur ces deux consoles. Okay. Pourquoi je pense que vous avez de l'avance de ouf sur moi, quoi. C'est vraiment deux joueurs. Ah ouais, par contre, ça c'est un peu chiant si c'est deux joueurs parce que bon. Bah, non, c'est pas que deux joueurs, c'est un joueur ou deux joueurs. Attends. For their next project, they are proud to announce No More Room in Hell 2. The sequel to the 2011 ah, ça c'est bien. No More Room 2. No More Room in Hell. Je sais. Attends, ah ouais, me dis pas c'est le... Zombie avec, avec Jesse Pinkman. Non, je crois que c'est le jeu zombie. Oui, c'est avec Jesse Pinkman, t'as raison. Quoi? C'est lui, t'as raison Hugo. C'était la blague de Gus qu'avait fait dans No More Room in Hell. Le premier hey, Mr. White. C'est putain, mais... Yo, bitch. Tu as raison Hugo, c'est ça. Je connais pas. Bah, c'était un oui. jeu qui oui, était gratuit. Ok, c'est cool. Ah, alors, si c'est une suite, ok, pourquoi pas. Bon, c'est pas vraiment une suite, je pense juste que c'est un nouveau jeu pour... Parce ouais, fait par les mêmes devs, quoi. Je suppose. Ouais, c'est Alix, c'est... Merde, c'est, non, c'est Charlie dans Life is Strange. Pardon. C'est Charlie. C'est ouais, Charlie, je suis Charlie. Ouais, c'est... Bah alors, dans No More Room... Dans... No... Oula. Dans le jeu de base, normalement, le, jeu... le nom du jeu est trop long, on pouvait tuer des enfants. Oui. Ah ouais. Je vois que, bon... J'achète. J'en vois pas. Enfin, bref. Allez. Ça bah, me allez, manque, cette époque. Faut pas leur communication autour de ça, quoi. Pas moi, personnellement. Ah. Non, non, ok. Je pensais que c'était le titre du jeu, mais... Non, faut arrêter d'être... Ah, 8 player co, ça peut être sympa. Ah oui, en plus, oui, ils sont lents comme ça, c'est vrai. Ah ouais, ok, c'est le 2, ok, ok. Putain, vous avez une demi-seconde avant moi, quoi. Je suis dégoûté, vous me spoilez une demi-seconde avant. Bah écoute, en vrai, pourquoi pas, hein, parce qu'en plus, non, il était... Ça m'intéresserait, le premier, j'ai beaucoup joué, et il était gratuit. Est-ce que le 2 serait gratuit aussi, je sais pas. Je pense pas, je pense que là, maintenant, tu non. sais, quand, ah, quand ils proposent un truc gratuit à l'époque et que des années après, ils feront le 2... C'est payant. Après, il y a Epic Game. Peut-être la première semaine gratuite. Ah, putain. T'es mal le rat, quoi. Alors, bonjour est... tout le monde. Alors, qui êtes-vous, madame? Mais vous êtes qui? Thank you, Jeff. Peur. Hi, everyone. I am so excited to be here at Summer Game Peur. Ah, non, oui, c'est la co... la co-cast. Ah, co-animatrice. Voilà. Co-animatrice. Là, 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 je suis le quota féminin du stream. Let's take a look. Quelle franchise? J'ai dit dingue, c'est pas si crème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Harry Potter. Oh, c'est Harry Potter. Qu'est-ce oh, le Quidditch enfin. Ah, c'est le jeu Wii Quidditch. C'est moche. Me dis pas. Oh, l'animation est dégueulasse. Dégueulasse comme ça. Ah, bah là, 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 Kaku va se régaler. Il va dire ah, l'animation est dégueulasse. Hein. Là, il est par contre. Le jeu je l'ai déjà dit, vraiment. Tu répètes ce que je l'ai dit. Ça se trouve, c'est un. Oh la caméra! Putain! Oula, attends, c'est quoi ça? Oh. Mais c'est moche, et en plus c'est pas du gameplay. Oh, le temps de la voix. Ouais, en plus c'est moche. Non mais ils se foutent de notre gueule, là. Parce que c'est dommage, en vrai, les graphismes, parce qu'en vrai, le gameplay... est moche, là. Le gameplay est génial, allez, c'est juste que... Oh, c'est bon. Mais putain... Voilà, c'est du gameplay, j'ai l'impression, mais... Ouais, oh là là, ça a l'air tellement à chier. Mais regarde bah, ça, mais il n'y avait pas les dans le trou. C'est dégueulasse. Oh, enfin, l'animation est dégueulasse, dégueulasse. C'est uniquement le trailer qui est pas beau. Attends, ça se trouve, le jeu de base va être plus correct. Oui, il peut y avoir des mises à jour après. Hein. Tu sais, Cyberpunk, il a commencé mal. Tu peux et genre, le doigt s'adaptait pas à la fin du ballon. N'importe quoi. Quand tu fais des images de calcul, tu fais tout bien. Monsieur qui a fait des études. Désolé, monsieur. Attends, il a dit. Me dis pas, c'est le jeu du train. Avec le train horrifique, là. Oui, ouais, oui, oui, oui. Avec le patte d'araignée, là. Araignée. Ouais.
1 Le 1 Quoi? Quoi? Oh. Je crois que ça n'a rien à voir, Hugo. Alors, là, on dirait que je suis sur une vidéo YouTube avec... Oh, on par peut contre, être... c'est la prison oh, face il y a de la censure. Il y a de la censure. Il y a des animaux à poils, vite. J'achète. Oh. Ça m'a l'air drôle, là. Ça m'a l'air très drôle. Oh, des terroristes, putain. On dirait un peu. Comment vrai, il s'appelle là, ce campiste, mais en première personne un peu. Escapiste, oui, escapiste. The escapiste. Oh, il y a Benalla. Benalla. Oh, en vrai, c'est trop drôle. Il se tape des barres, Wizard. Il voit des. Ah, mais par contre. Tabasse avec ce clavier, ça, c'est quoi ça? Ouais, bon, bah, c'est un jeu de fun, quoi. Oh, tu peux péter les chiottes! Speedrun! Oh, dans les égouts! Oh, mais ça spoil! Mais par contre, du coup, est-ce que il faut qu'on on s'échappe? Est-ce que c'est. Parce que, est-ce que c'est en multijoueur contre chacun ou alors c'est vraiment en coop? Non, je pense que c'est vraiment un truc. Mais tu penses que c'est des joueurs, des gens qui jouent les gardiens, des gens qui jouent les prisonniers? Ouais, non, c'est ça. Si on peut pas jouer les gardiens, c'est nul. Hein. Je le dis. Moi, je veux jouer flic! Oh! Mais... Ah, bah d'accord, ils se sont barrés. Bon bah c'est préco hein, directement. Et wouhou. Wouhou. Un calme. Trahison. Oh les bâtards. En vrai ça a l'air drôle. Oh mon... Oh. Attends, yo mais man. Eh hey, ma man. Petit chicha là. Mais vraiment. Eh bah je le wishlist. Attends, <C'est> wishlist. Non. Comment il s'appelle? Bah, normalement, tu verras sur C-U-F-F le... C-U-F-F-B-U-S-T. Oh, Jean-Claude. C'est quoi qu'il dit? Ah, Star Wars Outlaw. Le jeu où il faut payer 100€ au lieu de 60 c'est pour ça, vraiment faire tout le jeu. Quoi. Eh, t'es dégueulasse! L'anime dev, c'est l'anime mocap qui est pas réglé. Ouais, du truc. Je suis d'accord avec toi. C'est mon prof qui l'a fait littéralement, l'anime dev. Wow. C'est de la mocap dégueulasse. Je suis désolé pour ton prof. Hein. Non, mais lui, il s'est fait de la thune, hein. C'est my queen. C'est quoi le nom du truc? C'est UFF, quoi? Le truc d'avant? Bah, c'est pas grave, on fera une liste de ce qu'il y a. De toute façon, je pense que le compte Twitter Summer Game Fest va faire la liste des objets qui étaient annoncés. C'est EA qui le fait encore le jeu? Non, là c'est Ubisoft. C'est Ubisoft. Ah oui, oui. Parce que EA, en attendant, ils ont Indiana Jones. Ah non, c'est Bethesda qui a Indiana Jones. Excusez-moi. Bon, moi, si c'est pas EA, c'est que ça va tourner. C'est déjà ça. Ouais, après c'est Ubisoft, hein, c'est. Ouais, c'est pas non plus le meilleur truc, hein. C'est. J'aime bien Ubisoft, etc. pour leur jeu nostalgie, mais là, bon, en ce moment, c'est pas leur période, quoi. Ouais, là, c'est l'histoire qui risque d'être à chier. Moi, Ubisoft, je trouve qu'ils font des scénars pas ouf. Hein. Attention, je vous spoiler Star Wars 8. Ce qui me fait marrer, c'est que les gens ils sont super hypés pour faire un petit coucou là dans la conférence au fond. Neva comes from Nomada Studio, the creators of the Game Award-winning game Grease. It chronicles the story of Alba, a woman bound to a curious wolf cub. Here's your first ever look at the gameplay. Ouais, merci pour le gameplay. Ah, c'est ce jeu du coup. C'est bon. J'ai eu dans ma liste, c'est bon. Voilà, c'est par les créateurs de Gris. C'est bon. Mais arrête, c'est un très joli jeu quand même au niveau graphisme. C'est vrai qu'il est très beau là. Oui, oui, c'est un jeu de branlette artistique là. Voilà, exactement. C'est quand on se tabasse la gueule là. C'est quand on se tabasse la gueule là. Y a rien, là on marche. Laisse Hugo, c'est décérébré. Je fais chier! C'est quand on va le rendre deux là? Quel connard! C'est vrai, par contre, le jeu est hyper beau quoi! Ah, c'est fait quand même par les mecs qui ont créé Gris quand même, donc déjà le premier. C'est pas fait Gris. Bah, je te conseille en vrai, peut-être que je me l'achèterai aussi. Oh non, le loup il a été capturé! Non! Hugo?
Est-ce qu'il y a Bandai Namco qui est dans la C'est Attaque des Titans. Oui, il y a Bandai Namco. Si tu veux, il y aura Dragon Ball. Oui, je crois qu'il y avait dans la liste sur la page Steam, il y avait Dragon Ball. Bah, je vais me branler. Bah ouais, chacun pourra se branler, enfin. C'est... C'est bien, allez. Il faut chier, j'en ai marre. J'en ai marre, où est des c'est jeux c'est quoi ce raciste qui fait des câlins au blanc, pourquoi il est pas noir, c'est pas inclusif. Ta gueule, fils de pute, là. Après la poésie, le rap. Attends. Today in the Devolver Direct, which will air directly after the Day of the Devs on this same stream. So we got lots more for you. All right, next, okay. It's time for our next point. Game announcement. Ah, il perd pas de temps hein, maintenant, hein, c'est... Dune. Ouais, ça va être Dune, je pense. Pour rien. Prince of Persia, lol. Je pense pas, c'est... Vraiment, si Ubisoft enchaînait deux jeux comme ça, bon, il y aurait un problème. Hein. Ah, mais c'est Migros Simulator. Bah, ça m'a pas l'air d'être... Dune, ah. Hein. Non, c'est pas Dune. Non, je pense pas Dune. Ah, peut-être un Civilization, ouais. Civ, ouais. Civ ou un Age of Empire. Ah, c'est... Ouais, entre les deux, en vrai. Ou alors un nouveau jeu qui est proposé par... Attends. Ça m'a l'air d'être Civ, hein. En vrai, ça m'a l'air d'être Civ, parce que... Parce que vu que chacun présente leur personne... Attends. Ah putain, c'est compliqué parce qu'il y a des pirates et tout. Vous allez me spoiler une demi-seconde avant, je vais dégoûter. Ça m'a l'air d'être Civ. Hein. Ouais, avec des pyramides et des terrains, oui, c'est... Oh ! Le trailer est trop bien. De... Ah ouais, t'es bien dans l'ambiance de Civ. Hein. Moi, je suis pas très fan de la série, mais... Salut, j'ai raté quoi ? C'était ça ! C'est le 7 ! Oh, c'est le 7 ! Eh, c'est bien parce que j'ai des amis qui ont relancé 500 fois Civilization 5 ou 6... C'est parti maintenant. Le 7 est annoncé. Monsieur le directeur. Du coup, mon petit cantouf, ce que tu as raté, t'as raté... T'as raté ta gueule. T'as raté la suite des créateurs de Gris qui ont présenté vite fait le jeu. Des petits jeux indés sympas. No More In Rune L. Je me souviens plus comment on dit le jeu. La suite. Voilà. Voilà. Sur Steam. Et bon, après que des jeux indés de cauchemar, donc là t'es vraiment au tout début parce que là on est à peu près, si je regarde. Mais c'est trop bien. Mais ouais, j'étais surpris quand même. Oh, ah bah ça c'est le Les jeu panards. Du singe. C'est, oh le, c'est le jeu du singe Dark Souls là, de ce que je sais. Le pied. Oh les pieds de macaque, je vais me branler. J'aime pas les Souls-like. Mais non, mais c'est Wukong, c'est pas Souls-like, c'est mieux. Et bah ça m'a l'air très... Ah bon beau. C'est pas un Souls-like, je pensais que c'était un Souls-like. Non, c'est mieux, c'est un Souls-like. Bah regarde, il y a un petit boss quand même. Mais je suis pas fan des Souls-like, mais je vais jouer parce que c'est Wukong. Et oui, parce que ça fait penser à Dragon Ball. Non, c'est Wukong et que c'est quand même... Ouais, il a pas tort. Hein. Oui, bah Dragon Ball est inspiré de la pérégration vers l'Ouest, merci, mais c'est quand même une œuvre à part entière qui est très cool. Merci, Kaku. Merci Julien Kaku. Ah, j'avais un truc dans l'oreille. C'est dégueulasse. Ah, immonde. Taille utilise de la serre humaine comme arme, c'est dégueulasse. Non, ça, de la serre. Non, il de la serre de c'est comme Shrek. Il a fait comme Shrek. Non, sans le truc de l'oreille. Et bientôt. Oui, je crois que de toute façon, j'avais vu sur Twitter. Je me suis fait virer de mon boulot. Quelle belle journée. Ah merde. Bravo à toi. Tu t'es fait virer du coup. T'as le chômage. Oh, il y a une figurine avec des gros panards, j'achète. Oh, il y a une couronne. Ouais, je sais que le jeu, à ce qui paraît, il est très très beau. Ouais, très attendu, ouais. Oh, Metac. Ouais. Ah bah, allez, c'est le moment. Ah bah, ça skate pas, tiens. Ou alors. Mais t'es spoilé. Non, je sais c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Je sais c'est quoi. Bah en tout cas lourd pour un jeu vert proposer moi une je sorte que de c'est pas très réaliste. Mais c'est un jeu vert pois chiche. Ah bah c'est pas okay. Le 2 parce qu'ils ont fait le 1. LOL. Mais vous me spoilez tout une demi-seconde avant, je suis dégoûté. Pourquoi j'ai du décalage oh. Pourquoi j'ai un décalage de merde.
Bah sinon, fais comme une célèbre technique, tu appuies sur espace et après la relecture, tu seras à nouveau en avance. Mais c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas. Oli. Ça me laisse une musique en arrière. C'est Zoli. T'es peut-être en mode. Après, Cantouf, je sais pas si tu es heureux ou pas, mais pour l'instant, t'as pas raté la série d'Among Us en animation. C'est où là, ton boss? T'en as pas qu'à en bas à droite. C'est dans Avancer. Bon, je l'achète dans alors. Le petit trou là. Il y a une moto. J'espère qu'il y aura des JRPG. Oh, je pense en vrai. J'ai pas vu. J'ai pas vu les jeux, les éditeurs qui sont dans le partenaire, mais je pense qu'il y en aura. Je sais pas par quel dev en tout cas, mais je pense qu'il y aura du JRPG, j'espère. C'est pas Remnant là? Non. Non, once human. Oui, non, ta gueule, c'est pas ça, c'est écrit. Vraiment. 9 juillet, c'est déjà mon anniversaire si jamais. Attention, Samsung Gaming Up. Oh, Kafid! Oh, comme l'éponge! Starfield, ce jeu existe encore. Ouais. L'éponge Bob. Putain, j'ai essayé. Vas-y. Bitman. Jeu F5, hein, mais ça aura changé. Putain, Starfield, quelle honte. Quelle honte. C'est pour le Samsung Gaming Up. Je savais pas qu'ils. Ah, voilà, merde. Ah, voilà. Un nouveau jeu Warhammer. Mais putain, vous me spoilez tout, je suis dégoûté. Et c'est Space Marine 2. Oh là là. Quel site? Ah, est-ce que c'est. Sur Twitch? Twitch, c'est bien le The Game Awards? Oui. Non, mais Kaku. The Game Awards, oui, c'est ça. Le site? Ça a l'air de tellement faire ramer ton PC. Bah, ça. Je suis sur Switch. Je suis sur Switch, bah c'est normal, du coup, 30 FPS. Essaye de baisser ta qualité. En plus, tu loupes tous les Amogus avec des grosses bites dans le chat, là. Bah, moi, j'ai mis full screen, hein, pour éviter ça. Il y a un mode Among Us Beat. Oui, il y en a plein. Des Among Beat. Bah, de toute façon, je pense qu'à tout moment, si Geoff va montrer le chat, c'est foutu pour lui. Hein. Il faut jamais ça. Ouais, je sais pas qui c'est. Bonjour. Ouais. Ah. C'est Kojima. Non, je. Non, c'est pas Kojima. Ouais, j'ai eu le réflexe, excusez-moi. Parce que c'est un Asiat, espèce de raciste de con, va. Bah. Mais après, c'est vrai, quoi, ils sont tous, quoi. Ta gueule. Ah, attends, équipe Atlus. En vrai, Atlus. Eh, hey, Atlus, c'est Persona, tout ça, en vrai. Hein. Vous voulez pas qu'on écoute? Mais attendez, c'est mon traducteur, je peux faire. Ah, ça, je peux pas traduire, par contre. Mais c'est Kaku traduit. Voilà, c'est Samurai. Bonjour, bonjour, Dragon Ball. Ça va être... C'est vraiment le pire stream. C'est le jeu, ça, Metama? Qui est montré? Non, mais c'est un JRPG à la coupe. Putain, il y a un sniper dans le jeu, trop bien. J'espère qu'il y aura Paladin comme rôle. Ninja, marchand, oh, trop cool. Marchand. Et après, il dit quoi, je suis raciste, il dit ninja. Super. Et il était écrit ninja en haut. Moi, je suis. Dommage, j'ai un décalage. Je l'ai vu après que tu l'as dit, que j'ai dit. Ouais, allez. Ta mère. Bah, toi, ta mère. Ok, maman. On doit encore baiser. Bon, du coup, je pense qu'ils vont nous expliquer un peu le jeu, comment il fonctionne, etc. Et bon, c'est à peu près un jeu style Atlus, donc bon, bah, ceux qui sont fans de JRPG, etc. Ouais. Bon, moi, comme ça, quand tout, t'es heureux. Comme ça, tu passes une bonne journée, même si, bon, t'as eu une sacrée journée, mais au moins, t'as eu ce que tu voulais, déjà. Ils ont vraiment pas mis de traducteur. Ah si, le mec à côté, c'est juste qu'il attend juste qu'il parle. Le grand dégarni. Ah, pardon, excuse-moi. le mec à gauche, il fait, mais dis donc, il est pas très japonais celui-là à gauche. Je suis pas particulièrement fan d'Atlus pour le coup. Ah, bon. Ça, je pensais que les JRPG c'était très réputé pour qu'ils soient fans de Atlus, mais. Papa, normalement les deux autres. Eh, hey, mais toi, que. J'ai de mute, hein. Speedrun, faire ban Hugo. J'ai à peine essayé les jeux d'Atlus, ok. Oh, il y en a assassinat. Oh non, il fait pète. Oh, le salaud. Là, on se fait spoiler par One Piece, là. Oh là là. Oh, mais si, Sparta. Ils ont fait une référence.
Oh non, ah, mais la magie noire. C'était Mad Max ou quoi là, le trailer? Oh, qu'est-ce qui se passe? Je surjoue, j'adore. Oh mon dieu, FPS, en 2 FPS. Je suis un Gundam. Putain, il est stylé le héros principal, il a un œil jaune et bleu. Oui, il est. Comment ça s'appelle? Véron, les yeux Véron. Il est bigou. Kamen Rider. Oui, il sert à spoiler une demi-seconde par vous à chaque fois. Bon, on dirait, ça a l'air, je vais pas dire de conneries, mais c'est un peu, ça ressemble un peu côté Persona sur quelques points graphiques, mais au niveau du gameplay, on dirait tu peux te transformer en... C'est JRPG lambda avec niveau des gameplay. Ouais, bah ouais, c'est quoi. Awaken Métaphore. Re-Fantasio. Fantasio. Fantasio de Battle 4, c'est lui. Ah oh, c'est Veuve France. Such an honor to have Hoshino and Shojima with us on stage. Okay. With you guys. The archetype, such stunning. C'est quoi comme elle a dit? Xbox qui a acheté Microsoft, quoi, super encore. Ils vont les virer encore pour quelques semaines là. Hein? Batman Arkham, quoi? Oh, ça va être spécial en vrai. Arkham Shadow. Ah, Arkham Shadow. Bah ouais, mais vert. VR. Pour l'instant, le jeu VR, c'est à peu près beau. Oh, le... enfin, après, c'est cinématique, donc à tout moment, la version VR, ça, ça peut changer. Ouais, pour le VR, il triche des fois. Ah, ça, c'est avec une info sûre. Oh, j'ai vu des FX, c'est dégueulasse. Tout full pixel. Oh bon, en tout cas, je connais pas ce... Ah si, non, est-ce que c'est pas le... l'épouvantail? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si, c'est l'épouvantail, oui. J'étais pas sûr, c'est pour ça. Bon, là, on a reconnu Cordon. LOL, non, c'est Macron. Donc, c'est ça, Macron, s'il passe au troisième tour. Au troisième tour. Et ça, c'est Florence Foresti. Batman. Benella, Arkham Shadow. Qu'est-ce que t'es con. Putain, en vrai. Benalla. Remplacer le A par un I. C'est drôle ça. Bah il y a eu juste Suicide Squad en vrai comme jeu Batman qui est sorti, mais il était pas terrible. Quoi? Parce que dans mon chat il dit ça fait longtemps qu'on n'a pas vu eu un jeu Batman. Mais sauf... il y a eu Multiversus alors. Bon. Bah Multiversus c'était comme il y a deux ans hein, qu'il est sorti, c'est juste qu'il était il fallait attendre la bêta quoi. On est sorti il y a deux semaines. Non mais il y avait une bêta. Oui, mais on savait déjà le truc, quoi. Et après, c'est devenu un pétard mouillé. Bah moi, j'ai rejoué, ça va. C'est juste qu'il est un peu lent par rapport à quand il est sorti. Non, c'est bien. Ça brûle. Ah, Street Fighter, ça. Mais spoilez pas. Ah bah, il y a le Capcom. Ouh, je sais c'est qui. Ils vont l'ajouter. Bogart, là. Vous dire non, c'est Thierry de Fatal Fury. Kermit. Oui, Thierry Bogart. Ah, je savais plus si c'était ça son nom parce que je sais que c'est une référence à. Oh. Ah, pas que hein. Ah bah au moins hey. Au moins que au moins dans dans Smash j'avais que lui. Ah par contre ça c'est pas un personnage de base de Street Fighter ça aussi. Ah mais c'est la fille de Atlantide ça, je connais les cheveux blancs. Bon, du coup, ça veut dire des nouveaux personnages DLC. Ah, un dernier. Fatal Fury. Non, en vrai, je pense que c'est Fatal Fury, c'est pas... Excuse-moi, le personnage que tu vois, là, c'est Bison, quand même, donc c'est pas Fatal Fury, quand même. Ah, merde, putain, oui, mais j'étais... C'est pour ça que Elena, ça me disait quelque chose, mais je savais pas si c'était vraiment de chez Street Fighter. Et je pense que oui, parce que je crois que... Ah ouais, totalement Bison. Il est là, Capcom. Le Capcom, il est uniquement là pour le DLC de... C'est Bison, ça, putain, je change bien. Je me suis.
C'est Monsieur Bison, attention. Putain, mais il est dire, attention, hein, il faut être poli avec lui. Monsieur Bison, et c'est pour ce bah, en vrai, c'est pour ça, en vrai, pourquoi il était pas lui, là. Ce n'est plus qu'à mardi, putain. Oh, ah, la gueule un... Ouais, là, c'est... Attends, oh ça... Oh, c'est dégueulasse. Oh, j'ai envie de me faire gerber la gueule. On dirait, pour l'instant, on dirait que c'est un petit après, côté caplé. Bah, ça, ça m'a l'air énormément les Warriors, Hyrule ouais. Warriors. C'est ce que j'allais dire, mais... Oh, bah alors, ils ont fait... Allez, pour la map, on fait ça. Allez, on fait un visual novel maintenant, rien à foutre. C'est un roguelike, non? Ah, c'est possible, ah, c'est en pas vrai. Un... Ah, c'est... Oui. Là, ça m'a l'air un roguelike, là. Oh, c'est sympa. Ça va, le petit mélange a l'air sympa, en vrai, hein. Je suis pas très attirant avec les Warriors, mais en vrai, pourquoi pas, en vrai. Hein. Le gameplay a l'air un peu chiant. Hein. Enfin, après, ça c'est aussi du beat spam une touche, tu spam une touche. Non, mais après, c'est vraiment un roguelike, donc... Faut aimer le beat them up. Oui. J'adore les beats, mais j'aime pas trop les them up. Moi aussi. Ah, bah... Oh, coop. Oh. Roguelike coop. Alors... En vrai. En coop, bon. Pourquoi pas. Roguelike coop, c'est pas mal. Hein. Jusqu'à combien? Bon, je pense que là, il y en a 3 de ce que j'ai vu, donc... Ah, OMG bon. Pour ah, bah, Kaku. Voilà. Tiens, Kaku. Mais arrêtez de me spoiler la gueule, putain, je vois même pas encore. Je vous déteste. Ouais, bah t'as qu'à avoir une meilleure co, breton de je merde. Je vous déteste. Breton de merde. Taisez-vous, il y a le ultra instinct. Comme Shaggy dans Multiversus. Ah, wow. Oh. Mais en vrai, si, j'avais déjà joué. D'ailleurs, d'ailleurs, chose à savoir, et si je me trompe pas, il y a une des modératrices de chez Ghost Live qui bosse dans ce jeu parce qu'elle travaille sur de la 3D. Donc elle aide ce jeu. Voilà. Une anecdote que je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Ghost Live, je connais pas les modes de Ghost. C'est un remake ou c'est un nouveau jeu? Non, c'est le 4, en gros c'est Katashi Budokai 4 en gros. Ouais, c'est un nouveau. Oui, c'est la suite des anciens. Mais du coup, cool. En quelque sorte, ça raconte à chaque fois une nouvelle histoire ou Non. Non. Ça raconte tout le temps la même chose. En vrai, oui. Après, ça rajoute les nouveaux arcs. Là, ça va rajouter super. Oh, y'a Satan! Y'a Satan! Mais y'a un milliard de persos, y'a tout le monde! Bon, en vrai, pourquoi pas, hein. Moi j'ai beaucoup aimé les anciens jeux. Mais... Dans les anciens persos, il y a le putain de paysan qui se fait one-shot par Raditz. Ah, il y a déjà la date. Il y a la date! C'est la première fois qu'elle a été dévoquée. Super, des personnages à débloquer en précommandant. J'adore. J'espère que vous aimez les Dragon Ball. Maintenant, on va parler de Peach et One Piece maintenant. Mais par contre, je déteste, vous polez tout même sur Dragon Ball quoi. Here's a look at their multiplayer FPS. Là, c'est surtout moi, j'ai resté silencieux quand même. Alors, attends, gratuit sur toutes les plateformes. 11 octobre. Hein? We've got a new mission. Operation Lightning Strike. The situation at Zero Dam is now gratuit? On dirait It's time to take action. On dirait une sorte de mélange de temple ancien, ouais. Zone touristique. Un petit vision. Voler la brique. Voler la brique. Non, vous ferez pas un côté division un peu? Ou R6? Bah, c'est ce que j'ai dit quoi. Ça fait un peu côté. Un petit côté Tom Clancy, tu vois. C'est la même. Plus un R6. Bon, en tout cas, ça m'a l'air un jeu qui essaie de reprendre le même système de Ready or Not, mais là. C'est plus un peu côté vraiment. Ouais, bah. Côté histoire, un peu la division, etc. quoi. Et c'est gratuit, hein! Ah ouais, c'est gratuit, pourquoi pas, ça peut être fun! C'est trop cher! Moi merci, un pois chiche! Tous les FPS se ressemblent, je deviens fou! Tu as raison, pour moi, c'est la même chose que X-Defiant! Moi, tu l'es déjà, t'inquiète! Bravo, vous avez réussi la bêta! Maintenant, préparez-vous pour le mode Charlie! Good fuck! Ah! C'est bien, j'ai dit bêta, Charlie, il restait plus que Delta.
the game's premium campaign mode, Black Hawk. Ah, en alpha test apparemment. Attends, si je me trompe pas, c'est en juin ça? Ou c'est juillet à chaque fois? Julie. Pourquoi on va en Somalie? Raciste. Pourquoi on va chez eux là? attends, c'est un. D'accord, c'est un jeu qui existait avant, du coup. Tellement de blagues possibles. Ah. Oui, t'inquiète, Kako. On dirait vraiment du Call of à l'ancienne, quoi. Call of 2010. Oh, dis-moi merci, Hugo, parce que je suis là, toi, tu fais pas. Il y aura Bardella qui fera des vidéos dessus. Allez, là, c'est le moment de libérer les otages. On en a vu, par contre, on est en Somalie, va tirer sur tout le monde. Le jeu est lent. J'avoue qu'il y a quelques passages où les animations sont un peu moches. Les FPS. Une furie. Alors là, je vais mettre mon top 5 celle-là. Je sais qui t'a imité. Quoi. Oui, je sais. Je sais parfaitement qui t'a imité. Ah, SNK. Je me souviens plus, ils sont connus. Ah, bah oui, bah les jeux passent, c'est encore bon. Capcom. C'est encore Capcom. Elle me fait spoiler par un ouf, en vous là. Bon, bah je pense que. Je sais qu'est-ce que ça va être du coup, hein. Je pense, clairement. Des bandes d'arcade? Bah, une collection de bandes d'arcade, tu vois. Ah, tu penses? Ah non. Bah, souvent quand ils font la technique de ancien à nouveau. Ah. J'ai. Ah, finalement. Oh les Nibar. Oh les Nibar, mais version homme. J'aime mieux les tétés femelles. Ok, mais du coup, c'est un nouveau ou... Moi, je pense que ça m'a l'air un sort de... remastered sur... Patate purée, oh la dinguerie. Bien à volonté. TFF. Regardez, il joue un jeu mort. One with the game. Dolby Atmos. Ah, c'est le Dolby Atmos. C'est bien ça. Putain, on peut se transformer en Master Chief. Masterclass. Ah, c'est dégueulasse. Papa le Flash, pas le mec. Vision. Ok. Attention, j'oublie un truc. C'est génial de faire une pub sur le Dolby alors que tout le monde s'en bat les couilles. Mais en plus, c'est quoi de base? Parce que c'est... C'est un système sonore. Ah, ok. Sonore aussi, Dolby Vision et Dolby Atmos. T'achètes du Dolby pour jouer à Halo. Bon, bah là, c'est parti pour les sponsors. Hein. Allez, achetez mon écran 4K là. Dolby, c'est souvent ce que t'as au cinéma en son. C'est ça. Oh là là. Oh non, ah, le pas là, les. Battle Start. Galactica. Je suis la goutte d'eau. Je suis le Minotaur. Je déteste ce style d'animation. Achète ma mère de moment, hein. Voilà. Après, les jeux Goblin, dans la grande majorité, c'est souvent gratuit. Hein. Gratuit, entre guillemets. Je m'appelle Grégoire. Il voit... J'ai un œil et je tiens, prends ma pomme. J'aime la pomme, miam, miam. Mais tu vas faire... Je m'appelle Grégory. Ils s'appellent tous Grégory à ce stade. Et je suis le frère de Grégoire. Tiens, prends ça, mon frère, et boum! Là, je suis en mode Furax. Je m'appelle Nata Chat. Là, c'est vraiment le pétage de câble, hein, c'est... Attention, la bataille finale. Oh là là, c'est wow. Super. Ah bah là, il y a le changement graphisme, là. Urus. Bah, ça a l'air à chier. Hein. Prenez mon eau. Ah non, c'est... Un peu stylé, à dégueulasse. L'Ops, il s'appelle L'Ops. Ah, mais attends, c'est les trucs de mythologie grecque. Oui, c'est mythologie grecque. Oui. C'est Smite, oui, c'est bien. C'est Smite. C'est Smite. Comme les cuisines. Patay crush. Il faut trouver son crush. Ah. Ah, ça, c'est oh, Armored Gorge, si je me trompe pas, ça. Ou alors peut-être. Des Gundam. Je connais actuellement un pote qui bande. Ta 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 ta
J'ai mal à la gorge. On parle de sucer. Les gros mechas. Ah bah là, tous ceux qui sont fans de mechas, là, ils vont être contents. Hein. Non, c'est Vaginian, ça. Parce que quelqu'un a chanté le thème, c'est ça? Qui? Bah, je sais pas, j'ai entendu un ta-ta-ta-ta, presque comme ça, donc... Bon, là, c'est un peu formidable ce que j'ai fait, quand même. Oui, c'est quoi? C'est Genji! Il y avait Genji, mais en retard, du coup. Genji Girac. Ok, bêta test, ok. Ouais. Ah bah, mecha, ok. Mais ils se sont pas fait chier. Au moins, c'est mecha, on sait que c'est des mechas. C'est quand il y a des jeux qui m'intéressent, moi. Mais toi, c'est 1% du jeu qui va. Ah, peut-être. Là, peut-être, on va avoir un truc sur Fanette Freddy à tout moment. Hein. C'est quoi Blumhouse? Je crois que c'est ceux. Je sais plus si c'est eux qui font les films Fanette Freddy. Attends. Ah non, c'est autre chose. Non, c'est clairement autre chose. Ah si. Oui, c'est pas eux qui s'occupent du film, ok, c'est pour ça. Oh non, on va devoir combattre des marionnettes. Bah. Hein? Qu'est-ce que... Mais choisissez un style pour votre jeu, là. Ah non, c'est différents jeux. Non, c'est différents jeux comme ça, d'accord. Oh, il y a eu mon crush. Oh, il était tellement beau, j'ai acheté le jeu. Voilà, en gros, c'est les devs du jeu qui proposent les jeux qu'ils proposent pour le Summer Game Fest, je pense. Ah, d'accord. Les mecs, ils se disent, putain, tout ça dans le même jeu, trop bien. Oh, c'est le graphique. Attends. Ah non, c'est ok, je pensais que c'était fait par... Mais ok, stylé, en vrai, j'aime bien les jeux un peu polygone comme ça. J'adore ça. Le mec à gauche, yeah. Oh. OMG, on va pouvoir prendre... C'est vraiment creepy, les graphismes comme ça. Pas pour moi. Projet C. Le projet caca. Caca au tribunal, il est de retour. Non, ok, en vrai, c'est sympa de montrer différents jeux par les mêmes. Je sais ouais, pas si c'est. Voilà, genre. Un menu massif. En tout cas, il y a l'air d'avoir des bons jeux, en vrai. Ah, du coup, on a les devs en dessous, du coup. Ouais, les sociétés. Oh yeah, du rock. Ouais. Hey guys, so we got ourselves a full slate there. That's incredible. So Jason, tell us a bit about why did you want to get into games like this? What are we doing? Well, we've been. Là, je sens que dans le chat, ça veut dire please word up là, comme au Game Awards là, dire dépêchez-vous. C'est Jason. You'll all be very happy to know we're working at this very minute on the sequel of Five Nights at Freddy's. It's coming. Ah. Don't worry. Anyway, horror is. Il parle de quel Five Nights là, le film? Le film. Ouais. Donc ok, j'avais raison du coup. J'étais pas sûr au début, mais c'est bon. Tu sais, ça me surprend tellement pas que tu me dises à chier. Pourquoi tu t'achètes? Ce qui me surprend, c'est que tu... En vrai, vraiment, pour acheter, si c'est pas un jeu pour brûler son PC à faire vraiment la qualité haute, vraiment réaliste et tout, il achètera. Par contre, un jeu à pixel. Attends, non, en vrai, Poachiche, il achète seulement s'il y a des pieds très réalistes. Hein. Et on sent qu'ils sont américains. Ah, le jeu de Wukong, ils ont kiffé alors. Bah, et quand il a vu que la statuette il avait des pieds, il voulait la précommander, hein, je tiens à dire. Ah ouais, Wukong, ça m'intéresse. Pas pour le gameplay, juste pour les pieds. Les pieds de Hobbit là. Faut bien qu'il se branle le Poachiche. Hein. Moi je trouve que c'est.
montrer 40 jeux en même temps dans ton truc. Je trouve que c'est une mauvaise idée, je suis d'accord. C'est que t'es pas confiant sur un seul jeu. Quoi, donc, Bah c'est ça, c'est que j'ai envie de dire que... C'est comme un resto, si tu fais un peu tout, t'es bon nulle part. Voilà. Donc ça, c'est m'attire pas du tout. Dis, ah, j'adore la bouffe. Mais oui, après, les poches, j'ai la pâteur, c'est vraiment le sens où, bah, quand tu fais un show, évidemment, le fait que tu présentes genre plein de jeux, bon, voilà quoi. Faut choisir, faut choisir. Oui, oui, oui. On n'a pas compris ce qu'elle a dit, mais oui. Mais t'es malade, c'est impossible. Allez, Kaku, merci. Mais t'es malade depuis un bon moment ou... Ah, bah oui, parce que l'école, ils sont à jouer avec la soundboard, ça. Oui, oui, mais t'inquiète pas, je vais pas. Le quoi, le. Ah, bien sûr. Super. I know this is just the start, so we'll probably be seeing you in future years with more. Ah, 3,50, Wizard. Jason, Luis, thanks so much for being here on Summer Game. Thank you guys. All right. Thank you guys. Thank you. And now here's the world premiere of a brand new Power Rangers game with a retro. Oh la dinguerie! Non. Le jeu Power Rangers? Ouais, 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 tout à fait. Hasbro, pardon. Ah, bah là, ça m'a l'air. Mais ça spoil! Ça spoil! Ouais, voilà, je pense que ça m'a l'air un peu les. Oh! Oh, stylé l'animation en vrai. Non. Ouais, non. C'est très bien. Ah, non, non, attends, là c'est bien. Est-ce que ça joue? Oui, là, attends, est-ce que c'est. Ouais, c'est pas le truc fait par les. Ouais, les Tortues Ninja en vrai. Peut-être, oui. Oh, Goku Power Ranger! Quoi? Goku Power Ranger! Tiens, Wizard, devine ce que je pense des Power Rangers. Les dessins sont dégueulasses. Je dis que tu penses que c'est de la merde. Ah, chier. Voilà. Surprise, bon. Ouais, c'est bon. Moi, je trouve ça très sympathique. C'est vrai, les parce qu'en vrai... Les dessins sont à chier. Non, attends, en plus, il y a des variantes de gameplay. En vrai, attends, c'est stylé. Moi, je trouve ça vraiment stylé. Non, en vrai, en jeu, ça peut être sympa, mais... Premier degré. Mais en plus, on peut jouer à 5, c'est la dinguerie, ça. Ouah, le gros robot. Oh putain, oh là là, par contre, vu en premier FPS pour le... Sympa. Je suis désolé, ça m'a l'air sympa. Je sais pas si... Oh, c'est... Ouais, c'est stylé le petit truc. Ah, il pleut. Le petit truc à la fin, c'est triste. Oh, c'est mignon. Enfin non, pas trop, vu qu'elle est morte. Oh, fait. C'est mignon, la mère est morte. Oh, c'est, oh, bah, oh, bah, c'est mignon. Ça fait penser à Bambi. Oh, c'est mignon. Oh non. En vrai, ça a l'air un jeu plutôt sympa, calme. Oh non, c'est encore un jeu au piche. Ah non, c'est trop mignon. On a l'air de se faire chier à la fin. Respecte les jeux au piche. C'est quand qu'il se prend un coup de flèche dans la gueule ou un coup de pompe là pour un chasseur. J'ai envie de voir vraiment le chasseur français qui lui coupe la gueule. C'est trop beau. Oula, c'est quoi ça? Oh non! Non! Oui! La violence. En vrai, on dirait qu'il y a un petit côté. Bon, alors attends, c'est. Gueules, par contre. Attends, je suis en train de prendre un plaisir là, donc taisez-vous. Oh, en plus, c'est. Dans le cul. En plus, oh. En plus, ça a évolué en vrai. Ma gueule! Putain, tu ta gueule! Waouh! Non, en vrai, ça a l'air sympa en vrai. Ah, chier. Eh bien, je. Ah, bah, ça c'est original comme titre. Le sel et le carton! En vrai, je suis désolé, Dear Boy, je vais le rajouter sur ma wifi. Non, oui, il a l'air sympa. Moi aussi, en vrai, j'ai bien aimé.
C'est trop mignon. Faut donner argent à des vrais jeux, pas à ça. Ta gueule. Ouais, montrez-nous des vrais jeux. Dire et le fils de Kratos. Hein. First time developers a chance to show you what c'est bon, je l'ai mis dans ma wishlist. Right, next, after a long wait, Kingdom Come Deliverance 2 is arriving. Ah bon, Kingdom Come 2. Ah, ça c'est quoi cool. Oh, il y a Come avant. Je savais pas qu'il y avait un Kingdom Come 2. Studios, here is a brand new ça, ça m'intéresse quand même. Alors. Ah, la première fois que moi j'ai dit, ah, ça m'intéresse là. Parce que le gameplay est aussi à chier que le premier. Allez, cheval. Et je jure que toi, bref. Non mais c'était rempli de bugs, c'était horrible à manier, faut améliorer ça. Hein. Il est mort là. C'est très bien. Il y a un chien. C'est pas le genre de jeu que j'apprécie, mais très sympa en vrai déjà. First time. Le même, hein, vous connaissez. Ta gueule. Ta gueule. Je trouve le jeu bon. Ouais, bah il est à l'image du premier, quoi, ça va. Oh, oh. Putain, mais j'en peux pas, ouais. Oh putain. Oh, le sexe. Le sexe et les tétés. The courage to do. The last time I ran away, I lost everything. I'm never gonna run from that fucker again. Kiss our asses. God, avec plaisir. Is this retribution for my sins? Faites un bisou sur mes fesses. To the task. Ah ouais, pourquoi pas, hein, ça... Je trouve le jeu beau, vraiment. Ok, Kingdom bah... Come. Ouais, bon, bah, si t'as mis le premier, faut y jouer, quoi. Oh, vraiment, l'argument de... Ok, mais il faut jouer le premier, déjà, et si t'aimes le premier, tu bah, l'achètes. C'est la suite, là, je vois que c'est vraiment... Ça reprend l'histoire à la fin, donc... Ah, ok, en vrai, c'est... Avec le 2, c'est un peu chiant. Oh, t'as raison, en vrai. Si ça suit bien, en vrai, je crois. Attends. Alan Wake sur Switch. Non. Il y a eu un plan panard, j'achète. Non, là, pour l'instant, ça me dit rien, ça. Ça m'a l'air un nouveau jeu, je pense. Par pitié, Kaku. Quoi? Non, rien. Par pitié, genre... The Evil Within, lol. La poubelle simulator. Ah, il y avait un cadavre dans la poubelle. Un cadavre de bébé, ouais. C'est pas qu'un bébé, ça. Bizarre, le bébé. Je m'en... Oh, ça m'a l'air sympa, dis donc, eh. Bah, qu'est-ce que elle est folle, celle-là. Merde. Bah... Attends, oula, tu te rends. Ouh là là. Mais du coup, elle est morte. Mais... Attends, oui. Bah oui. Mais on s'en fout. Allez à gauche là. Alors c'est pas trop un Yakuza. Ils ont copié Resident Evil. Yamete. Putain, j'ai trop envie de jouer avec ça. Putain, on peut jouer un. Oh. Bah, qu'est-ce qu'elle a comme arme? J'ai un peu peur pour le gameplay là. Oui, moi aussi. Ouais, j'essaie de comprendre parce qu'on dirait que tu es des monstres, mais toi tu es aussi des monstres, donc... Tu es un monstre qui tue des monstres. Oh, c'est une poésie, ça. Je suis le chevalier motard. Par contre, c'est plus les yeux rouges, quoi. Quelques problèmes au foie s'imposent. Ah non, si, j'ai vu ça sur... J'avais vu sur le compte Twitter de Summer Game Fest, c'est un jeu, ouais... Les bites sur pattes. Mille et une pattes, le film. Beat une patte. Beat une patte. Connard. Il a coupé la main. Ah. Et hop là. Alors j'ai plus le nom du jeu mais il a même beaucoup de manteau quoi. Oh, d'accord, on peut contrôler un chien. Moi les jeux couloirs ça va. Ah, voilà, ma vie est réelle. On peut contrôler un chien. Ma vie est réelle. Donne la patte Kaku pour voir. Oh, Killer Bee! Oh, Killer Bee! Oh, putain! C'est quoi ça? Oh, c'est vraiment un jeu. C'est une parodie de.
c'est une parodie de jeu. C'est une parodie de Kill Bill. C'est une parodie de Kill Bill, mais avec des haricots, quoi. Ah, ça a l'air super. Non, attends, tu déconnes, c'est un jeu multijoueur, il y a plein de trucs, c'est stylé. Regarde. Ça, c'est stylé. Ah ouais, c'est... J'ai trop hâte de jouer un haricot. Good. Ouais, le passe entre les jambes. I used to be an assassin for the Shadow Agency. En vrai, il a l'air plutôt sympa. Je trouve le jeu incroyablement laid. Il est très moche, t'es jaloux parce que tu peux pas jouer un haricot dans n'importe quel jeu. Ça a l'air fun, ça a l'air fun. Est-ce que sur Phoenix Wright, tu peux pas jouer un haricot? Non. Et moi aussi. En plus, il ressemble à des caca, alors j'aime bien. On dirait M&M's. C'est juste avec M&M's, mais marron. Wow, tu peux combattre contre Nicki Minaj. Oh, le fiac! Oh! Ouah, le suplex là! Non, attends, c'est stylé ça! Attends, excuse-moi, dans n'importe quel jeu, on peut pas faire ça! Hein. C'est vrai qu'on peut pas faire ça! Oh, y'a un mode zombie! Oh là là, le Black Ops 6, il est aux fraises, hein, parce que là, on a vraiment le côté! Je t'ai cru que t'allais vraiment dire ça! Oh, la Black Cock! Black Ops 6 là! Killer Bean! Killer Bean va bien te faire enculer. Non, c'est vachement stylé. Attends, pourquoi je vais le chat, il spam Gotti. Bah, c'est vraiment le meilleur jeu. Hein. C'est un film qui était sur YouTube, qui est très connu, juste pour ça. Et surtout que c'est là où il y a le même de Tie of Scringe, où t'as vraiment lui qui fait en émote. Il est ultra connu. Oui, bon, t'as eu Dragon Ball, c'est bon. Hein. Tes poules sont très vides, là, le dragon, là. Audrey LaPrince and Emmerich Toth. Montpellier, France. Montpellier. Ah. Hello, Jeff, everyone. I'm very happy to be here. When we created our studio, Emmerich and I, we promised each other to always... Ah, là, c'est l'accent français. France. Debout. Ah bah, Audrey LaPrince. Attendez, je sais où est-ce que c'est une future compatriote à moi. Je vais peut-être poser quel... C'est quel studio? My dad prepared an expedition to Mount K2. En tout cas, le mec à gauche, il se fait chier. Il attend d'avoir la parole. J'espère qu'il y a un meilleur accent français. Their lives in such extreme conditions. This is something we wanted to... Imaginez un jour, c'est moi qui présente mon jeu. Le jeu de Kaku. Bah alors là, j'ai un ami qui s'appelle Poichich, il voudrait avoir un jeu des pieds, bah voilà quoi. You climb a mountain to reach a summit never reached before. And the climbing gameplay is the challenge. It's very intense and realistic. It's a face-off between you and the... Qu'est-ce qu'il y a, Poichich? Non, mais la France, quoi. C'est vraiment la France. Non, j'ai bien un énorme cul dans le chat, du coup. On peut les pieds et le cul, que choisir? J'ai rien entendu. Qu'est-ce qu'on fait? Bah là, il nous représente un jeu. Il a parlé de montagne, de grimpad. Oh pas non, compris. Pas... Bon. Non, Zelda 3. No way, Inox Simulator. Oh, on grimpe pieds nus, j'achète. Inox Tank Simulator. Allez, Inox. Inox. Oh, mais les coups d'y pètent. Inox, monte. Inox. Ah non, en vrai... Ah, ça me rappelle un... Bah, ça me rappelle le jeu qu'ils avaient proposé à Devolver Digital avec Baby Step. Oh, mais tu pètes, c'est... Oh. C'est vrai, mais ça a l'air très rageant. Ah, par contre, les toits de pied... C'est vrai, j'achète. Ça me fait terrifier, ça. Ça me fait terrifier. Bah là... Je parle le français. Je terrifie. Bah là, c'est vraiment la vie... Là, c'est vraiment... Là, on va jouer vraiment Inox, quoi. C'est incroyable. Bah, t'as pas le mur, ça fait mal à la main. Oh, attends. Inox, fais les pompes. Pardon, mais t'es con. Arrête. Inox, je crame. En fait, c'est... Mais marche pieds nus partout. Bah, pourtant, plus c'était un hobbit. Mais oui, mais ça se lit les pieds. Mmh. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on voit là, le rig qui est dégueulasse, qui fait des... Mmh. Ah ouais, ça va. En vrai, ça a l'air intéressant. Ah, ça claque. Ah, ça claque de ouf. Ah. J'ai l'impression qu'elle se déboîte tous les os quand elle fait un mouvement. Ah. Inox tag. Inox. Ah, de gueuler en plus, ça va pas t'aider à courir. Non, mais à grimper. Karen. Karen, c'est une Karen. Annapurna.
Margout. Annapurna. C'est pas ceux qui ont fait Outer Wilds, ça? Ah, ça... enfin, le créateur de Stanley Parable. I'm a fighter. I'm meant to be in the arena, in combat. But instead, I'm out here in the middle of the woods. On se fait chier déjà. C'est trop poétique. Ouais, on va récolter des fleurs. Oh, c'est joli. J'ai mes lopes de fleurs. J'ai fait des choux. J'ai fait pousser des jolies fleurs. Ouais, ça a l'air plutôt un jeu assez calme en vrai. Hein. Oh ouais, c'est vraiment le jeu que tu joues tranquille. Bravo. Le jeu que tu joues. Tranquille ou bilou là, dans ton... Après, c'est ce qui me... Après, ce qui me surprend, c'est fait par les créateurs... enfin, c'est créé par... par celui qui a fait Stanley Parable. Non, Stanley Parable. Tu sais, le jeu où t'as une... Où tu fais du thé. Ouais, c'est super. C'est estimé à combien de temps la diffusion du Summer Game Fest? Ça dure 2 heures, normalement. 3 jours. Après, oui, si c'est pour tous les dias à passer, c'est 3 jours. Mais c'est à différents horaires. Non, non, c'est vraiment 3 jours non-stop. Là, uniquement pour Summer Game Fest. Voilà, mais après, le direct qu'on regarde, ça dure 2 heures. Non. Non. Là, j'ai préparé directement mon casse-dalle, etc. Attends, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Elle est énervée, son thé n'est pas classé. Le cheveu Boro. Le cheveu là-bas. Le jus chauve. Le thé est au coudac. Ton thé est aux carottes. Ça m'a l'air d'être très sympathique. En vrai, c'est là pourquoi pas, parce qu'en vrai, là, la seconde partie, elle est pas mal en vrai. Mais moi, c'est Annapurna, c'est ceux qui ont fait Outer Wilds, donc moi, je suis client là. Ah, bah là, t'auras peut-être ce jeu qui va te plaire, peut-être en vrai. Non, ça va pas lui plaire. Outer Wilds 9 Awakening, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ce truc? Hein? Kizako? Bandai Namco. Oh, Bandai Namco, c'est Dragon Ball 3. J'en ai marre des déserts. Il est raciste des déserts. Après, c'est sur Game Fest, Wither Royon. C'est normal, c'est les plages et tout. Hein. J'aime pas les déserts. En fait, t'as voulu dire, j'aime pas les déserts. Oh, il est stylé. J'ai rien dit. Comment ça c'est stylé? Y'a quoi de stylé? Look at Joe. Y'a un mec avec une canne. Regarde, il est beau. Ah non, en fait. Ah non, en fait. Il est super. Finalement, j'aime pour. Je déborde. Ah, le jeu, en vrai, pourquoi pas. Ah, mais lui, il a juste la canne de joli, mais sinon, putain, là, il a... D'accord, t'es juste attiré par la canne. Oh, tu peux prendre les esprits. Oh. Ah, en vrai, le gameplay, il a l'air intéressant, là, maintenant. Ouais. Ah, ça, je crois que j'avais vu aussi, vite fait, mais... Mais j'avais pas vu la vidéo, parce que c'était une vidéo, donc je voulais pas me spoil. J'ai pas vu la vidéo, parce que c'est une vidéo. Non, mais je voulais pas me spoil, il est... Août 2024. Ah, Monster Hunter Story, ok. Ok, donc oh, mais c'est Capcom. Spoil. Donc ça, c'est Capcom. Vraiment, ils vont me donner ça. Bah, je c'est un remake, ça? Je sais pas, ça. Parce que c'est moche. Oh. Non, regarde, Wither, il y a des soldes. C'est les promos. Putain, s'ils mettent une promo d'Ace Attorney, je te jure que là, je vais pleurer ma mère. S'il y a que du Ace Attorney là-dedans, maintenant, je bah là, pour l'instant, c'est l'un des jeux les plus connus, mais... D'accord. Non, bah d'accord. Allez, salut, ciao, ciao. Vous avez pas le temps. Ah, il y a marqué plus verdict sur le truc. Hein. Oh non, il saigne. Attention. Bon, il saigne d'une couleur étrange quand même, je veux pas mentir. Je vais voir si il est tout maintenant. Il a le sang noir, tout va bien. Il y a quelqu'un qui a mis Bloodborne sur PC, il a jamais joué à Bloodborne. Oh, la moustache. Oh. C'est merde, comment on appelle cette période? C'est comme New ça World. Oh, le pif. C'est un peu époque, ouais, c'est pas, c'est les, comment on appelle ça, les espagnols là. Conquistador. Voilà, merci.
Les bronzés font du ski. Le Souls like. Michel Blanc, attention. You're crazy. Quand tu reverras, je... pays merveilleux. Il a sorti le masque de clown. Je suis un gueulard. C'est un zooball en Dofus, il a plus un masque. Ah, ça a l'air plus thématique. Ah, je sais pas, on dirait c'est un mélange thématique à la fois espagnol mais aussi Italie. L'Italie d'Espagne. Ouais. Bah, la Sicile, hein, je pense. Ouais, un peu latino là. Bah, d'accord, je crois qu'il avait une galère à enlever le masque, mais. Ou bon, alors ça vient d'un pays qu'on connaît pas. C'est moi le nouveau chef. il essaie de prendre une voix. Oh, salut, c'est moi le prochain chef. Laissez-moi passer. Il le respecte grâce à son énorme pif. Là, c'est le cosmos. Je suis le cosmos. D'accord. Sympa, c'est ouais. Ouais, allez. Oh, ça a changé de couleur. Attends, je regarde quelle heure est-il l'approximative. Il est minuit, donc là, on y nous reste encore une heure. Approximative. Finally set for release, and we're very happy here to debut the new trailer. On a déjà vu meilleur jeu. Et y a pas eu encore Among Us l'animé, attention. Hein. Mais c'est un vrai truc ça. J'avoue que on dirait que l'eau c'est juste. Si c'est une game, l'océan. C'est vrai. Blanquette, c'est jamais une game. Un casque audio. La musique. Une carte graphique. C'est jamais tuto réel, quoi, chiche. Ouais, je pense jamais pas. Hein. Le Valium. Pourquoi ça me fait rire cette merde? C'est Viper. Le tabagisme. Robot. Mais donnez-nous du gameplay, s'il vous plaît. Il m'a tué. Quand elle tombe. Inox. Inox, t'es tombé. Ça me rend fou quand ils font des scènes de combat, genre c'est censé être le jeu. La mais guerre. Mettez-le en gameplay, bande de connards. La douleur, ça fait mal. La nuit, le gameplay, c'est du ça fait partout, dormir. C'est ça, le truc, il te montre ça et après c'est un jeu tour par tour. Le rodéo, c'est compliqué avec un taureau. Manger 5 fruits et légumes par jour. Putain, c'est nous le jeu quoi. Je suis une lapine et sexy. Encore. C'est bisous. Ça fait beaucoup là, non? Carglass prépare, Carglass remplace. C'est... Quand c'est chaud qu'à pique. À ma guise. C'est Cyril de Groupama. Il n'y a aucun caractère qui m'a retenu l'œil. Tout à chier. Je suis Vavien. Gameplay, je suis Vavine. Adopte-un-mec.com. Par contre, je retiens. Pour une fois, il y a une fille sur une plage et elle n'est pas à poil. C'est vrai. Awesome. C'est un bon point. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Parce bah, qu'on voulais... la scène, enfin. Bah, je voulais descendre. Je voulais voir. Il y a un mec regarde, le mec à gauche. Ouais, il veut pas couper. Elle est tombée de la scène entre pendant le prix. Je me suis cassé la gueule. Et du coup, les gens à côté se tournent pas parce que c'est cringe. Ils parlent à côté d'elle, ils se tournent même pas. Et du coup, pour éviter de faire le détour, elle a fait bon, je reste ici finalement. Putain, c'est les invités sur la scène. Imagine, tu parles et il y a les gens à côté, tu regardes pas. C'est horrible. Ah non, c'est... Oh là, ah, ça là, c'est là, les créateurs. Oh, on va enfin avoir le Among Us. Les chinoises. N'ouvre plus la bouche, s'il te plaît. Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas Marcus. There's been so many great indie games in recent years, but it's also no secret that it's kind of a rough time in the industry. Some devs don't really get the chance they deserve, so we thought we could help out a little bit. That's why we're excited to announce our side project, Outer Sloth, an indie game fund no studio. Offers the kind of deals we would have wanted back in our less popular Outer Wilds.
Mais non, ça c'est à mon gosse. Non, mais c'est aussi en octobre. J'ai vu ce studio. Le mec a été plus, plus joli vers un angle que la fille, quoi. Je pense que c'est mort. Outer slot. Bah oui, Weezer, c'est juste inversé, quoi. Mais non, Outer slot. And incredibly nervous. Un jeu. To reveal it here and show you the current lineup of games we've managed to fun because of you. Ah, un nouveau jeu. It has your favorite. Non mais parce que Among Us c'est Inner Slot. Oui. Ah, attention. Ouais, ils ont créé Among Us. Génial. We made Among Us. Ah, c'est pour aider d'autres jeux indés, d'accord. Oh, c'est bien ça. En même temps, le jeu, il a eu tellement de succès, donc en vrai... Ah bah c'est ça, c'est exactement ce que j'ai. Oh, c'est joli. Ah, ça j'ai... Mais ça, c'est un jeu qui... Ah non, c'est un autre, ok. Parce que c'est, pour moi, le jeu, au début, c'était déjà sorti. Hein. Et aussi joli. En vrai, c'est bien qu'ils proposent d'autres jeux indés. Ça, c'est pas très beau. Ça, c'est très moche. Mais ça, c'est... Aussi, vous jugez comme ça. C'est moche. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un foutoir sans nom. Ah, mais c'est Star Fox, je sais quoi, là. Among Us. Du power. Among Us 2, attention, hein. Salut, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis fatigué, bordel. J'ai dû dès ce jeu en une seule journée. Se bague des spatules. Ok, pourquoi pas, ce petit jeu en vrai aussi. Hein. Ah oui, il a l'air de proposer des bons gens. Dormir, par contre. Là, il est fatigué, le pauvre. Le mec, il a un flingue sur la tempe, là. Venu d'un coq qui se réveille, merde. Trop bien, bonne idée. Bon, par contre, la sirène animée, là. Thanks, Victoria and Forrest. Those all are fantastic and I cannot wait to play them. But elle a réussi à remonter sur la scène, bravo. J'ai trouvé l'échelle. Ah, TV show, c'est bon, ça va pas lancer. Check out this sneak peek. Attention, hein. J'ai très peur. Pareil, hein. Among Us! On m'a dit Among Us TV Show. Pizza. Chips. C'est moche, mais c'est du Among Us. Pour l'instant, il n'y a pas un seul dialogue. Hein. C'est juste vraiment... Je trouve ça sympa. Prenez-moi, quoi, Dieu. C'est juste des petits trucs de merde, des petites scénettes. Genre des séries de 3 minutes. Ah, c'est peut-être, ouais. Ouais. Voilà, et la seule célébrité que je connais dans le lot, c'est juste un qui a joué Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. C'est tout. Up next, we have Sonic X Shadow Generations. Oh ouais! Mais d'où? D'où? D'où Shadow et Sonic? Quoi? Comment ça, Shadow et Sonic? C'est vrai? Oui, genre, c'est annoncé au State of Play. Alors, c'est pas le State of Play récent qui est sorti, mais c'est début. C'est quoi le truc? C'est Sonic Generation X Shadow. Alors là. Ah, chier. Alors, on va voir. Salut à tous, c'est Squeezie. Mais y'a Sonic Heroes, genre? Mais du coup, c'est quand qu'on se branle, là? Bah là, si t'es faute de Fury... Mais du coup, est-ce que ça joue vraiment sur le côté de Shadow, le jeu vidéo, là? Bah j'ai l'impression, mais en fait, je veux juste voir les jeux. Parce qu'en gros, ça, c'est littéralement, bien sûr, comme Sonic Generation, mais avec Shadow dedans, donc je sais pas... Oh là, les musiques, par contre. Ouais, en vrai, ouais. Au secours. C'est un Sonic 3D, il y a une chance sur deux que ça soit absolument à chier. Mais il peut pas laisser le cadavre de Sonic mourir, genre, ou quoi?
Oh, j'ai oublié mon vaccin. Mais il y a quoi dans les trois Très jeux bien. Oh, oh, le skin Sonic Adventure, il est stylé en vrai. Mais t'es qui, Terios là? C'est un œil. C'est l'œil en vert de Jean-Marie. Ah oui, il est aussi excité que moi pour ce jeu. Dune, ah bah il est enfin là. Enfin. Super. Faut que je regarde le deuxième. Oh, ce verre géant avec tellement de dents, parfait pour sucer. Comment ça, t'as pas vu le 2? J'ai pas vu le 2. Il m'a pas plu, donc c'est pour le ça. Le 1 m'a cassé les couilles aussi. Ouais, mais le 2 il est mieux. On s'en bat les couilles. Moi j'ai vu, je préfère être franche, j'ai jamais vu les films d'une. Oh le truc qui a popé dans le chat là. Il y a eu quoi? Une bite, un cul ou un psy à tout moment. Tout en même temps. Il s'est fait ban? Oh putain, il s'est fait ban, j'ai plus. Il y a eu un énorme fiac. Un fiac à cul. En plus, ce jeu-là, si on a vu dans Star Wars, on a pas le truc. Bah, dis-le si ça t'emmerde, Dune. Ça me fait chier. Ça me fait chier, il y a du sable là. C'est le désert et tout. C'est encore beau. C'est encore juste de la branlette visuelle, quoi. On s'en bat les couilles. Là, il y a Obi-Wan Kenobi, génial. Il y a Tarvador qui est là, qui est arrivé. Mais vous savez que c'est littéralement eux? C'est vraiment la même histoire, que Star Wars. Ils ont la même base. C'est la même chose. Il y a tellement de trucs qui se rejoignent. Rien à oui, voir. Il a vu dans les dans l'univers étendu. Hein. Non, juste ouvrez vos yeux et regardez juste les trucs qui se passent. Bah, c'est Star Wars qui a copié parce que d'une, c'est les livres qui sont sortis avant. Oui. Vraiment non, les deux sont pas copiés sur l'autre. Les deux ont copié un autre livre qui ont la même base de source. Là, j'ai vu trop Kaku à lever son dos avec ses lunettes d'or. Alors en fait, non. Hein, il faut savoir que dans l'année 90, George Lucas, il avait Dune. Awakening, par contre, Awakening, faut l'arrêter d'utiliser tout le temps en sous-titre, là, ça nous casse les roubignoles. Parce que c'est. Ça... Survival MMO, oh, ça peut être sympa ça. Bah, ça va être comme New World ou d'autres jeux MMO, en vrai, je vais vous pas mentir. C'est un Mupong. Squeezie, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok, l'animation est pas trop mal en vrai. C'est moi, il n'y a pas eu un seul World Premiere depuis le début. Bah si, il le dit assez souvent, il a dit « Ah, World Premiere » souvent. Si, il y a eu le 6-7. Oui. Et ça, c'est cool, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je veux voir du gameplay. On dirait une sorte de Tower Defense, un peu. En plus, c'est dommage, l'animation elle est très stylée en vrai. Hein. Du coup, il loue le cul dans le chat là. Pas tout, tu vois juste qu'il tu mens. Le mec, il en manque de ça. Envie de cul. Non, envie de ton cul. D'accord. Battle Ace. To tell us more about Battle Aces and show you the gameplay, here's David Kim. From Uncapped Games. David Kane. David qui a joué. Pardon. So Battle Aces is the RTS game for everyone. Ah, RTS. Oh merde alors. Oh le coup de mou. Pardon. Ah c'est dommage parce que. Oh la débandade. Putain mais c'est dommage parce que vraiment l'animation est stylée. C'est dommage que. Au niveau du gameplay, bon c'est. Il y en a qui pourraient. Ouais, qui... Mais c'est Warcraft ou quoi? Mais c'est Starcraft ou quoi le bien? Ouais, c'est. C'est beau là. On va faire des petits raids là. Oui, bon c'est un jeu de dégen. Allez, la suite. Mais c'est comme StarCraft, faut être dégène. Là, je vais placer mes unités de façon coordonnée. Je vais mener une attaque sur deux fronts en même temps. Ah, Pochette qui fait l'honneur, putain. Ah, je voudrais trop un audio au complet, hein. Je voudrais même un PNJ dans un jeu de Kaku. Hein. Je vais mettre des tanks suppliés par des drones. Tu peux enregistrer ta voix, Pochiche, mais sur... Comme ça, je me branle le soir. Tournez à droite.
Il va plutôt. En vrai, à tout moment, Wizard, il va prendre ta voix juste pour en mettre sur une IA, comme ça, il pourra faire dire que des dingueries l'honneur. Pois chiche. Merci beaucoup, allez, au revoir. David Cam. The exciting new destination for a game that Shadow dropped at the Game Awards last year, the finals, with its unparalleled destruction wrapped in the world's most deadly game show. Now, after dozens of updates, we're unveiling where contestants will be going in the all-new season starting next week. C'est le BR que personne ne joue. Sharpen your katanas and welcome to season 3 of the finals. The final. Personne n'y joue. On peut être un cuistot. Wesh. Le cuistot, bon. Attention, il a une cloche sur la tête. Oui, il y a Jeff de Loli. Je suis le cuistot. Je suis Charlie. Ah ouais, elle est stylée la map en vrai. Hein. C'est vrai qu'en plus, ce jeu, il était trop bien apparemment dès sa sortie. Bah, il est gratuit, non? Oui, il est gratuit. Mort aussi. Bah non, il est pas mort, je pense qu'il doit encore avoir des gens en vrai. Venez, on l'installe. Bah non. Moi je l'ai installé il y a un bon moment en vrai. Hein. Et tu as joué combien de fois? Bon, 2-3 fois. Moi, je crois que j'ai joué une fois et puis ça avait l'air pas ouf. The finals in Kyoto. Regardez, on existe. Le bâtard, j'ai cru qu'il allait dire ce final annonce. Hein. Ouais, je sais pas qui t'es, bonjour. Ah, c'est le mec de Alan Wake. Salut, c'est moi. Ah non, bah c'est le... Non, putain. C'est Dulcina. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Bah il fait la danse. Ah, mais c'est Alan Wake tout court, c'est le mec qui a fait la visuelle. I think that's enough. Mais c'est comment il s'appelle, le jeu? Bah y'a marqué au fond. Non, Alan Wake. C'est Max Payne. Merci. C'est Max Payne. Non mais c'est vraiment l'acteur qui joue Max Payne. Oui, c'est son visage qui était modélisé. Oh putain. Sa grosse gueule. Mais c'est quoi le jeu, tu sais, il galère vraiment jusqu'au bout. Putain, c'est AW là, mais je sais plus c'est quoi. En vrai, maintenant, avec sa tête, il me fait que penser au Max Payne 1, je tiens à dire. Bah ouais, parce que c'est lui. Bah, le 2 et le 3, Le mec-là, il fait penser à lui, c'est bizarre. Il se fout de ma gueule, hein. Oui, clairement. Alors que le 2 et le 3, c'est pas trop sa tronche de temps en temps. Next, we promised you some expansion content. For Alan Wake 2. Ok, expansion supplémentaire. Oh putain, un style 4ème dimension, si je me trompe pas. Familiar, fan favorite, playable characters in mysterious, terrifying and quirky what if scenarios. Ah, cool. Chance for us to really go out. Un what if. As if we already didn't. Ah. Night Springs will be playable in less than 24 hours. Oh, cool. Oh la dinguerie. Donc c'est là, ça va bientôt sortir dans moins de 24 heures. OK. Bah du coup, c'est demain quoi. Premiere, I invite you to step into Night Springs. J'adore ces gestes, c'est vraiment genre attention. Night Springs, a special place, a shift. Ouais, le jeu, il est trop beau. Oh, le monde du café. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet always familiar to us. Ouais, en plus, Alan Wake 2, il a eu des bons retours en vrai. Hein. Ouais, c'est il a eu très bons retours. Bah oui, regarde, voilà. Ah bah là, oui, des bonnes notes et tout. Hein. Ouais, on se souvient des retours. Très bons retours de Starfield également. Alors que pourtant, le premier, le truc le plus triste, c'est que le premier, il a été mitigé en vrai. Ah bah là. Oh, bah, c'est mais, lui. Mais Hugo, c'est lui là. C'est Max Payne. Et du coup, c'est un DLC.
Oui, c'est quoi? C'est ça, c'est la meuf de Control? Bah, on dirait qu'il y a un personnage Control, ouais, il y avait une. Bah là, c'est Chris Pratt. Il y avait la meuf de Control, carrément. Bah oui, regarde, c'est elle. Ah bah, en plus, ouais, la couleur rouge, c'est Control en vrai. C'est clairement ça. Ok, pourquoi pas. Hein. On voit comme ça, les fans du jeu vont être contents. Hein. Tant pas. Ah, super. Games. Allez, c'est parti. Ouais. Le Forget Game, le Dead Game. Allez, New World. Allez, on va oublier ça tout de suite. Oh, ça a l'air super. Mais t'es bien New World en vrai? Non. Putain, bien New World. Après, à tout moment, j'ai dit New World, mais c'est, je sais pas si c'est... parce que je crois, si, il était lié avec c'est, Amazon. C'est New World, pour moi, c'est New World. Hein. C'est clairement New World. Ah, c'est New World. New World. Jeff Bezos Game dans le chat. Pourquoi il a chié? On t'entend pas, Pochiche? Si, ah. J'ai entendu. Moi j'ai entendu. Hein. Pourquoi il a chié? Non, mais pourquoi il a chié le jeu? Pas. Enfin, pour moi, le fait qu'il n'ait pas de classe dans MMORPG, ça m'a bien cassé les couilles. Mais très bien. Moi je n'ai pas aimé. Et j'ai la beaucoup aimé tout le système de jeu, Moi j'ai entendu les mémoires RPG, j'ai fait bon, pff, c'est pas trop mon style. And now you can play the game start to finish as a solo player or play co-op and use crossplay as well. If you're watching SGF on TikTok live right now, you can come. Oui, bien sûr, on regarde ça tous les jours, hein. Sur TikTok, bien sûr. Allez, va bien niquer ta mère. TikTok. TikTok. And speaking of Honkai Star Rail, HoYoverse's latest space fantasy RPG just concluded its version 2.3 special program a few hours ago. Alors, chez RPG, je crois qu'il a dit. Peek at the upcoming expedition featuring a beloved character who is clearly ready for the forthcoming journey with her brand new. HoYoverse. Ah bah. Ok, Star machin contre, truc là. J'ai plus le nom. Pochis, ils sont quand les culs sur le chat là? Bah, je sais pas, il y en a pas eu depuis un petit moment là. Je suis une renarde. Du coup, c'est quoi? C'est. Genshin Monkey. Non, c'est, là crush. C'est Ok. Ah, oui, c'est lui, c'est mon crush. C'est mon crush. Ils vont un plomb dîner avec une pièce, c'est mon crush. Je vois un Arien, c'est mon crush. Et on est sur Twitch, je te rappelle. Mais c'est clairement Genshin Monkey ça. Non, c'est Ok, c'est l'autre jeu. C'est le concurrent. Non, c'est fait par les mêmes devs. C'est juste qu'ils proposent un autre style, quoi. Ah, je connais absolument pas. Parce qu'en gros, il y a marqué HoYoverse, c'est... Player Emblem, c'est fou. HoYoverse, c'est ceux qui ont fait Genshin Impact, mais aussi Ok, Star Rail. Star Rail. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis plus sûr, mais... C'est pas Hawkeye Impact? Oh, il y a un oiseau avec un penny. Quoi? C'est vrai? Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Où ça? Mais t'es con, il y a jamais eu. C'est faux. Mais dans... si, il y a eu dans le chat. J'ai jamais vu. Mais vous avez le chat censuré, c'est pour ça. Non, c'est moi, je... Oh, regarde, voilà, Star Rail, tu vois. Ah, Star Rail. Ah, mais dans le chat Hugo, ok. Ah, qui rime? Non. Non, je vois pas. Moi, j'ai rien dans mon chat. Là, il y a plus personne qui c'est parle. Quoi? Ah, Dark et Darker. Mais ça, c'est... Si, c'est non. C'est... Non, ça, c'est un jeu où c'était où ouais, tu peux jouer en 3 contre... Tu peux jouer en 3 contre 3. Ils vont enfin l'en sortir. Oui, il est déjà sorti, non? Oui, parce qu'en gros, le jeu était sorti et qu'il était en bêta alpha, je sais plus. Mais ils se sont fait supprimer parce que c'était. Ils ont volé un projet d'autres devs, je crois. Bon? Ouais. Je me souviens plus, mais en tout cas, Astero94, il a fait une vidéo dessus. Ça, c'est drôle. Jeter le tambour, ça me fait rire. Et en gros, je crois que t'as plusieurs classes. Tu peux faire magicien, tu peux être guerrier ou archer. Des trucs comme ça. Tu peux même voler, regardez, tu fais le super. Et normalement, tu combats contre des trucs comme ça, mais tu peux rencontrer d'autres joueurs normalement.
C'est à la fois du PVE mais aussi du PVP. C'est plutôt une bonne idée en vrai. Et le truc c'est qu'il faut que tu visites en salle etc je crois. Ouais bah ça a l'air fun à plusieurs mais tout seul au secours. Hein. Ah c'est free. Ah c'est gratuit bah. Oh putain. Bah, je vais installer alors si c'est free. Dark and Darker. Après encore une liste. Hein. Il y a une lapine avec un énorme cul dans le chat. Mais si c'est faux, hein, de mentir. Mais si, mais vous avez pas le même chat. Bah c'est juste que Kaku à tout moment il a une latence aussi sur le chat. mais t'es sur quoi? T'es sur Twitch ou t'es sur... Bah oui sur Twitch. Bon allez, je vais ajouter à ma bibliothèque Dark and Darker. Sur Twitch, The Game Awards. Oui. Regardez, il y a Wizard. C'est moi. Hein? Wow, l'ambiance, man. Ils ont du Capcom. C'est moche, non? C'est moche. Donc c'est ça, ce que tu attendais depuis longtemps, Capcom? Ouais. J'aime pas du tout le style. Je t'avouerais que c'est... Ouais, bon. Allez. En plus, y'a même pas de pied. Ah, c'est le mousse, hein. Des gros pieds, le mousse. Oh, les WAD. Vas-y, traduis-moi ça, Kaku. Combat. 19 juillet, le jour de mon anniversaire. Super. C'est pas le deuxième truc que tu dis à ça? Non. Avant, je disais 10 jours avant mon anniversaire. Enter the Overgrowth. Oula, c'est un peu présomptueux, dis donc ça. Ah, full campaign coop. Intéressant ça en vrai. Ah par contre il y en a que 3. Hein. Sont laid, hein, par contre. Hein. Je tiens à vous dire. Par contre je tiens à dire que je viens de capter que le troisième personnage c'est un raton laveur quand même. Il est où Dark Darker là? Il s'énerve d'un coup. Il est où le jeu? Mais moi vraiment Dark Darker je l'ai installé en fait. Obtenir. En vrai ouais je vais peut-être parce que là il est disponible vraiment ou Oui je sais mais oui. Il est gratuit. Ok. Bien, bah let's go, on fait ça toute la night. Ouais, mais moi, il faut que je l'installe, et vu que je stream, ça risque de toucher un peu la co. Eh ben, on fait ça toute la night sans toi. Exactement. Oh! Party Animal! Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, Party Animal? Parce que si c'est pour dire, c'est bon, on a faim... Non, c'est pas le Dark... T'es arrivé Dark sur Twitch ou un truc comme ça. Ah, c'est possible, ah bon. C'est Dark and Dark... quoi? Dark and Darker. De toute façon, ça se joue à 3. Comment ça s'écrit Dark and Darker? Bah, oh, Dark and Darker, tu rajoutes ER. Voilà. Ok, j'avais pas cliqué Dark. Oh, About! Super! Oh. Ah, si, ça ils avaient proposé des. Oh, on peut être Sonic! Oh. Oui, voilà, c'est en compte des. C'est des. Oui, c'est. T'as vu? Oui, c'était un mode qui proposait. C'était des game modes et ça. Oh! Voilà, oh ça mec, c'est trop bien. Ouais, ça c'est le. Voilà, ça c'est le Uno. Oh, Mario Kart. Oh non, c'est non. Ok. Party Animal, Coty tout court de n'importe quelle année. Ah, je pensais que c'était Mediatronic en vrai le logo. Bonjour. Bah. C'est The Office. Alors. Elles disent tout ça. Il a un strabisme, le monsieur, ça me dérange. Ou alors, regarde mon sexe, je sais pas. Dark and Darker se tient de mon côté. Hein. Par contre, c'est ouf que qu'on voit Party Animal pour passer sur ce office quand même. Hein. Je m'appelle Mike Scott et bienvenue à Thunder Mayfield. Admets. That makes my whole family sick. My wife hasn't been on the toilet. Bah là c'est ce office version un peu version US hein. Attends non version UK parce que la version US c'est là où il y a
Stop crying, all right? This is business. Look around, pal. This is how businesses are run. Now you should have known that when you were hired on. Weezer et Pochis qui s'engueulent au fond. Come on, pal. Ah! Le moustache de fou. That's not about this. That's a father and son. That's actually a home issue. We love it here at M-Corp. And we are not going anywhere. We'll be here a long time. Pourquoi il prend une tour, lui? Ça, en vrai, ça me fait un peu rire. Ah, mais c'est quoi? C'est un jeu ou c'est pour dire qu'il faut rejoindre la compagnie, là? Ouais, moi aussi, je me marre trop, là. J'ai rien compris ce qu'ils disaient. C'est quoi le but? Amsterdam for a new look at Skate from EA. Ah, EA. Quoi? Skate? Bah, pourquoi il revient sur lui là? Crap. Some really bad stuff's happening out there. They're gonna need a lot of help cleaning that up. That's bad. Ah, c'est Skate ça. Oui, il l'a dit. Ça avait rien à voir du coup le truc au début. Bah, ouais. Bah je crois que c'est juste les devs qui s'occupent du jeu. En vrai j'ai joué à la bêta qui est proposée et c'était vachement pas trop mal, c'est juste un peu compliqué mais... Regarde un skate, on peut faire du parcours qui n'est pas du skate. Non mais en gros tu peux construire ton propre parcours pour faire des meilleurs stunts tu vois. Est-ce qu'on peut frapper les gens avec ce skate? Ah c'est toujours en alpha par contre donc... Rien à branler. Ouais bon allez. Ouais bah ça j'ai la console, bon moi je suis toujours sur PC, hein. Excusez-moi monsieur. C'est bon, je suis pas tombé pour une fois. C'est bon, je me suis relevé. J'ai trouvé la marche d'escalier. Bon, il reste 20 minutes, c'est quand les gros jeux là? Bah, il y aura pas de la Steam. Mais mec, il y a déjà eu Dragon Ball qui est passé, c'est trop tard, c'est fini, il y a plus rien. J'ai dit gros jeu. Mais le gros joueur. Oh, il y a un Mobus avec des énormes nénés. Ouais, vraiment, Paul Chiche, il est que sur le chat. Parce que... Ah, du coup, ils vont avoir, je pense, une première grosse mise à jour. Après, il faut pas oublier que les fans du jeu, ils attendent qu'une seule chose, une mise à jour du jeu avec du sexe, hein, apparemment. Hein. Bah, le nude mode. Mais c'est un vrai truc, ça? Oh, les furies. Bref, pardon. En vrai, la zone est cool, là. Hey. Non mais attends, ils font même plus d'efforts là, c'est des copies copier-coller de Pokémon. Genre ce Pokémon il existe, on est d'accord. Celui, le crâne squelette là. Et lui là. Et lui là. Ah ouais, il y a quelques-uns qui ressemblent à... Je peux comprendre. Même lui là, celui qui vole là, c'est... il existe dans Pokémon, c'est le même. Bah ça s'appelle juste des shiny ça. Baiser but. Attends, mais attends. C'est des ricolants quoi, c'est comme les. Oh, on peut gérer du pétrole, let's go. Oh, petriquin. Let's go, les plateformes pétrolières pour faire des marées noires. Ah, mode arène, ok, pourquoi pas. Oh, par contre, c'est. Ouais, bon, c'est. C'est Arceus mélangé avec Cardevoir un peu quand même. Eh, hey, t'as vu ma lune? J'ai demandé à la lune. La fiche du jeu, t'as un énorme Pokémon avec un minigun dans les mains là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pochis, en vrai, Pochis, c'est vraiment le boomer. Depuis quand les Pokémon ils ont des armes? Valorant 2, il est là. Valorant 0, le préquel. Oh, merci Yannick. Il est jeune et dynamique, lui, ça se voit. Il vient d'être engagé depuis hier. Millions de joueurs, all over the world, have earned their own valor moments on PC. Un nouveau perso, nouvelle map. Vous venez enfin la map du démon pour mettre une nouvelle map. Let's take a look. Comment ça? Apparemment, nouvelle map. Console. Quoi? Pourquoi ils disent nouveau groupe de joueurs? Ils ouvrent aux Chinois? Ils ouvrent aux Chinois? Il est déjà ouvert aux Chinois, je crois. Qu'est-ce que t'es con, bordel! Putain! Attention! Ah, c'est Deadmatch, regardez, c'est moi! Mais non!
Ah, il est nul, regardez, il est russe et il est nul. Si c'est Valo console, au secours. À tout moment, c'est possible, hein, parce qu'en voyant... Non, mais pas un FPS comme ça sur console, c'est pas possible. Bon, Call of Duty, attendez, il vient d'où aussi? Ah, mais Call of Duty, c'est à chier. C'est néon. Bon, trouvez-moi un cadavre. C'est une fille RGB. Putain, attends, comment il a mis, foutu... Attends, mais le strat, là, comment il a foutu une caméra ici, lui? T'as donné une strat de fou, là. Attention, ça va péter. Bon, à part nous OMG, c'est moi, ça. La cinématique est cool, en vrai. Les plans cinématiques sont cool. Bah, en vrai, les côtés cinématiques, ils sont très très bons, en vrai, Riot, c'est aussi. Non, ça dépend. Ça dépend sur quel point ils se traitent. Tu regardes la cinématique d'Arbor, elle est dégueulasse. Bah voilà, je l'ai pas vu celle-là, tu vois, je suis pas non plus un mec qui observe H24 Riot Games aussi. Oh, le français. Mademoiselle. Là, ça a l'air d'être Kali. Oh, regardez, c'est moi. Ah, il a plus fait un peu meilleur. Mais il est où, Wayna, là? Hyper. Il est où que je bande? C'est toi, mais le gameplay, c'est pas toi. Ouais, arrête de te moquer, ça. Elle a pété, lol. Ah bah là je pense que... Ah, coming to console. C'est vraiment très ouais, cool. Ouais, c'est ça. Oh voilà. Là l'enfer. Allez, je vous lâche un petit peps. Ah attends, ça va être en bêta. L'enfer. J'imagine pas le bon... Free limited bêta, attention. Hein. Ça veut dire que... Bêta, oui. Moi j'ai un alpha. Valorant is coming to PlayStation 5. An Xbox Series X and S. Ouais, bah du coup, ça va pas être sur Switch pour l'instant encore. Hein. Oh, mais Switch, t'inquiète pas, non. Peut-être Switch 2 là. Mais non. Switch 2. Oh, mais t'es crossplay comme ça, on va bien poutrer des joueurs console. Oh non, oh non, pitié, non, est-ce qu'ils ont l'aim assist? C'est possible, cool, à tout moment, s'il peut avoir le même truc dans GTA, c'est-à-dire la visée automatique. Oui, c'est ce que vient de dire l'aim assist. Attends, ça, attends. C'est vraiment éteint ce que je viens de dire, Hugo, merci. Ah, l'e-sport. Mais t'es où, toi? T'as changé le Summer Game Fest. Salut, je me suis trompé de salle. Salut, c'est Nagui. Salut, en fait, à la base, je cherchais les chats pour changer mon tampon. Je suis pas dans la bonne ville, je suis actuellement en Chine. Trouvez... Mes parents me manquent. Moi, s'il vous plaît. Seeing the community evolve as new players bring their passion and expression to Valorant has been the biggest joy of the ride so far. And now we are ready and so, so excited to welcome a whole new group of players onto new platforms. We hope you'll join us and we can't wait to see where you take us next. Merci Véronique. À tout moment, ça va lancer de la musique Lompal, hein. Pas l'impale, moi, il est cancel. Jette. Ah, ils vont repasser un clip sur ma chaîne. Quoi? Non, parce qu'en gros, ils montraient un clip de ce là. Ouais, mais je l'ai eu après, en fait, ce que tu as dit. Parce que j'ai du décalage, en fait, encore une fois. Ouais, je pense qu'ils vont montrer le clip du jeu. Il a loupé toutes ses balles. Oui. Regardez, vous pouvez aussi être haché. Ah, du cosplay. Yurena. Jumbo. Putain, il y a des concerts. Trop la chance. Ah, c'est bien. Ils essaient de mentionner quand même certains qui ont fait des fanarts en vrai. Ça, c'est bien. Mais Riot, ils sont forts. Hein. Non. Ils sous-traitent bien. Mais ce Pokima, ça! On rappelle que Pokima elle a quand même engagé un mec pour faire du montage pour qu'il se branle dessus. Hein. Quoi? Non! Alors, il s'est branlé, mais pas sur elle. Quoi? Oui, on va la faire à moi, mais pas. Attends, c'est quoi l'histoire? Pokémon avait un moteur et le monteur ne pouvait pas sortir ses montages en retard. Pokémon a dit pourquoi, parce qu'il avait des problèmes de branlette. Voilà.
Excusez-moi, j'ai les couilles vides, je peux pas branler. Putain, la partie du T-Rush là, elle est dure. Hein. Le mec, il y a que du lait en poudre qui sort. Oh, le rire de cochon, ça. Salut, c'est Gérard, vous allez bien? Gérard, comme ça. Je suis l'original de Mimati. C'est bizarre, mais c'est moi. And we've got your exclusive... Ouais, bah je suis bien le doubleur de Mimati aussi, c'est bon, hein. Welcome to your eternal. Ah, c'est... Waouh, wow, bienvenue sur 3DS. Mais attends, pourquoi il y a une Saout, là? Et encore, t'es gentil. Hein. Et encore, tu dis 3DS, c'est gentil, ouais, ça. I long to be a hero, but darkness haunts my past. On est plus sur PS2, là. 100%. We were all banished here. C'est un extrait du film Par contre, non, je pense pas. Bah, je sais pas, on dirait que ça a l'air quand même. À moins qu'il y ait le jeu Vice Versa qui sort. Bah, quand même, ouais, super, le jeu Vice Versa. Gère tes émotions. Si, si. Ah, en vrai, si, ça peut. Ça peut être un extrait. En vrai, c'est drôle un peu qu'ils proposent un graphisme comme ça. On dirait vraiment les jeux PS2. Un peu style 3DS, même plutôt. Ouais, c'est un extrait du film. C'est bien ouais, ce que je me dis. N'hésitez pas à acheter nos promos Samsung. Dans quoi se met un Game Fest, il y a du... C'est les sponsors, c'est les sponsors. Scanne le QR code, Kaku. Ça fait pas chier. Bah. Je scanne le QR code. C'est mon père. Mais j'ai le bug en retard, j'ai le bug en retard. J'espère que t'es fier de lui. C'est le truc du cache là. Le mec, tu sais, il fait « Oh papa, je t'ai vu à la télé !» Putain, alors t'es plus à la retraite. Je suis dégoûté. C'est le seul jeu qui a pas des vidéos faites par Tad Studio. Imagine, tout d'un coup, tu vois ton père déguisé en poulet. Tu sais, c'est comme dire. Dis-toi que c'est vraiment le cas pour quelqu'un, du coup. Ah oui, mais imagine vraiment le gamin qui fait. Bah, ouais, mon père il travaille chez Nintendo et tu le vois qu'il est déguisé en poulet là. C'est son fils. Papa? Mais après, c'est un acteur connu, il semble, le poulet. Je crois, oui, je crois que c'est celui-là. Je crois qu'il fait en plus. Bah, il joue dans Variable Trip. Ouais, voilà, c'est que je me disais, ouais. Il y a Thor au milieu qui joue. Ah, l'acteur, bah par contre, ça, on connaît. C'est Thor. Oui, c'est vraiment ce que j'ai vu tout à l'heure, Thor. C'était Chris Hemsworth ou Chris Evans? Je sais plus. Je crois, je m'en fous, mais je sais qu'il a une grosse tub. Pardon? Je te jure que c'est vrai. Je crois que oui, c'est avec le fait qu'il a partagé sa photo sur Snapchat voilà. Ou Instagram, je sais plus. De quoi? Instagram, il a une photo Insta où tu vois effectivement son gros chibre, mais. Bref, c'est compliqué. Ah bah en même temps, il a montré le cul de l'Amérique dans Avengers, donc il faut bien... C'est comme Patrick Sébastien avec ses... Non, c'est pas le bon... C'est pas le cul de l'Amérique. Allez, chie, là. Mais le jeu est assez sympa, et sympa, mais sans plus, quoi, ça. Un jeu... Bah, de ce que j'ai compris, c'est que c'est un mélange de tous les jeux qu'ils ont les devs de base. Non. C'est nouveau, vraiment, un truc nouveau. On dirait qu'il jouit. Donc ton père, Wither, il chante dedans, c'est ça? C'est ça. C'est lui en poulet. Ah, mais attends, j'ai cru que c'était un autre acteur, ça. Putain, c'est un faux chinois, c'est moi, oui. Ça, c'est drôle. Mais t'as une belle barbe, toi. Bah ouais. Je préfère leur clip en animation. Mieux. I think our job here is done. Where are you going? You can't leave. We are never leaving you. Good boy. Putain, ça va être tout blanc quand même de voir des personnages dans la vraie vie qui. Mon père, il a chié un œuf. Merci. Ça va, c'était drôle. Et dommage que le jeu pue la merde. Ouais, il est sympa. Non, ouais, je pense qu'il a l'air sympa. Après, déjà, ils sont très connus pour Clash of Clans ou Clash Royale, donc en vrai... Et Boom Beach. Oh là, c'est du cannibalisme que fait ton père, là. Oui, c'est vrai. Oui.
right, please join me. On le pardonne, c'est pas grave. Allez, on va monter, on va faire monter le père de Weezer. Il est là. Ah non. Ah, ça c'est le nouveau Monster Hunter, ok. D'ailleurs, en parlant de Chris, je sais plus quoi s'appelle, vous avez vu Furiosa Monster Hunter? Moi j'ai vu Furiosa. Il est très cool. Moi je l'ai pas vu, mais apparemment il a l'air très bien. Il est très cool. Mais je pense pas qu'il soit meilleur que le Mad Max Fury Road. Je suis pas au-dessus. Oui, il est très cool. Fury Road. Il est très très cool, il est vraiment très bien. Après, ouais, mais genre, peux pas dire meilleur ou pas, c'est vraiment une autre histoire, c'est vraiment autre chose. Ouais, voilà, c'est pour ça, c'est que ce que j'ai compris, c'est qu'il est pas au même niveau que Fury Road, mais il est bien. Il est extrêmement bien. Faudrait que je le vois, quoi. Il va sûrement écouter Capcom. T'es content du coup avec tous tes trucs Capcom là? Il attendait vraiment. Bah, j'ai ni Resident Evil ni Exeter, donc voilà quoi. As you'll see, we're working to deliver a gaming experience that merges immersion and action. I hope players look forward to playing with their friends across different platforms when the game launches simultaneously in 2025 on PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC. はい、最後になりますが、8月に行われるゲームズコンのオープニングナイトライブ、こちらの方でも新しい映像を持っていきますので、皆さん楽しみにしていただけたらと思っております。またですね、ゲームズコンではですね、初のプレイアブルの、できるような形で出展も考えておりますので、そちらも出展していただけたらと思っています。C'est bien Kaku, parce que c'était plutôt tranquille ce qu'il a tout dit.Pour vraiment pour qu'on ait super hype sur ce jeu, hein. Il fallait que tu parles. Hein. Quoi? Genre, il y a eu un gros blanc où il n'y a plus personne qui parlait, on était concentré sur Monster Hunter et il fallait que tu ouvres ta bouche pour dire quelque chose. Ouais, parce que c'est un chinois qui parle en ce moment. Oh la tarégrie qui vient de dire. Eh bon, mais tu m'étonnes que tu sois encore célibataire, enculé. Dis-moi ce qu'il y a dans le chat. Attends. Il y a une bite. Mais y'a rien, mais bon. Je mets dans la discussion du... Du vocal? Du vocal. Attends, je regarde, hein. C'est l'image du serveur. Oui, il a pas l'émission. Ouais, c'est dommage. Bah, il y a des problèmes de caractère à mettre, du coup. Pense MPLU, dis-lui merci. Ah, c'est des chocobos. Bah non, c'est pas Final Fantasy. Ah, merci Hugo. Le bac pour des degrés, hein. C'est pareil, il s'est fait parler japonais. Tout est pareil, je vois je... Gros raciste. Il s'est fait gober. Ça, ce serait ma terreur, ouais. Vivre dans des grottes comme ça? Te faire gober? Non, mais dans les sables mouvants. Ah. Tu peux pas vraiment tomber dans ces mouvements comme ça. D'accord, monsieur, prenez réaliste. Scientifiquement, l'importance du sable et de... Enfin, la viscosité du sable comme ça, par rapport à ton poids, ça peut te permettre de... Ça a l'air sympa, moi j'aime bien ce genre de... Moi, je suis pas trop attiré de Monster Hunter, mais... ça va pour un Monster Hunter, ouais. C'est très bien. Monster Hunter, j'ai reculé sur Wii, après je m'en jouais. Le chasseur est là. Rose épée. Ça fait MILF, pardon. Quoi? Sur MILF, c'est Wild, ça fait MILF. Monster Hunter MILF. Le con. Oh, Monster Blade. Moi, je sais pas c'est quoi, c'est... C'est quoi, c'est le jeu chinois? Je sais même pas du tout c'est quoi. Mais c'est ouf, hein, c'est vraiment une histoire de jugement, c'est vraiment genre... Il a un chapeau, ça met la Chine quand même, non? Attends, non, mais c'est le jeu chinois, ça, non? Peut-être. Par contre, j'étais à zéro après leur annonce, c'est horrible, oh, chef. Il
Moi, ce qui me fait marrer sur mon stream, c'est qu'il y a des gens qui voient une plus petite publicité avec marqué duo d'évacuation flexible 100 mètres. Oh, le cheval. Oh oui, c'est un souffle, hein. Non, plutôt un... Bon, j'ai envie de dire un Ghost of Tsushima, non, mais... Non, c'est pas un Souls, c'est un ça... Souls... Ouais, c'était gratuit comme blague. Et tu penses qu'on rire avec ça? Ouais, mais parce que je vous ai la langue, en fait. Gros CP. Commandeur Kiva. Oh putain, le mec avait un bras à la... le bras à branlette, là. Ouais, c'est vrai, quand même. Les jeux sont fait chier. On t'y fait chier. Ah ouais, là les jeux ils me font bien chier. Hein. Après, on va jouer à ah, mais juste ça fait chier aussi, Wizard. Bon, après. Ah, c'est la meuf dans Kingsman. Bah, après, du coup, il faudra que un de vous trois stream le gameplay pour que. En attendant, parce que après, le seul dernier direct qui sera important à regarder, ce sera le Devoir Digital. Oh. Mais c'est à 2h, donc préparez-vous, hein. Non, mais t'es Phantom pas Blood. Je m'en fiche un peu des autres. Hein. Bon, mais moi Blood, je vais c'est regarder. C'est le mec de Marvel, là, c'est vampire, c'est ça? That looks so good. Full demo that media will be playing this weekend, so you'll hear much more about that. Et Wizard, tu sens un truc? Tu vois le jeu tout début avec le loup blanc, etc. Oui. Bah, c'est publié par Devolver, donc si tu veux voir un peu plus de ce petit loup. Montre-moi ton petit loup. Elle est tombée encore. Ah. Je pense qu'on se rapproche de la fin. Elle est tombée mais en hauteur. Ouais, on se rapproche de la fin, il n'y a pas de dernier truc. Chute quantique. J'ai sauté trop haut, désolé. Ouais, c'est la fin. C'est la fin, c'est... Ouais. Bon, bah, Civ 7. Vraiment bien, Civ 7. Et c'est tout. Et si le jeu... Dragon non. Ball. Killer Bean, quand même. Le banger, hein. Le on banger, Killer Bean. Dragon Ball. Killer Bean. C'était vraiment Monster Hunter World, là. Non, Monster non, Hunter Rise. Wild. Et c'est le, et même c'est ouais, Phantom ouais, c'est... machin truc là. Ah oui, c'est Phantom machin. Et bah dis donc. Dark and Dagger et Dark. Oh bah moi je vais installer, je lance. Moi je lance aussi. Ah par là contre là. Avant je vais sep. Oh, bah, moi aussi je lance. I go to pipi. Moi, je vais pas jouer longtemps hein, mais on teste. Ce n'est pas. Voilà, donc ça c'est le Devote. Voilà. Contrôle. Ouais, je m'en bats les couilles. Vas-y, dans ce qu'on joue. Ah, attends, j'ai gagné récompense. Bravo. Vous êtes désormais éligible pour recevoir des SGF 2024. Attends, pourquoi j'ai gagné un truc là? Attends, j'ai gagné quoi? Tu es éligible pour. Attends, j'ai gagné. 10 mode, push to talk. Mais qu'est-ce que j'ai pissé, je reviens. Qu'est-ce que j'ai gagné moi avec ça? Voice chat send mode, bush to talk, proximity. Voilà, impec. Et du coup, on va créer. Vous... Qui veut faire quoi comme classe? Moi, je veux bien faire magicien, mais vu que vous allez jouer à 3 là déjà, donc moi, il faut que je télécharge le jeu. Name. Je vais m'appeler. Ah, d'accord, le trop, c'était pour Warframe. Bon, ok. Voilà. Comment je choisis les touches? Ouais, je suis Wizard. Qui veut jouer quoi? Qui, comment? Moi, mais je suis même pas encore dans le jeu. Bah moi, il faut que je télécharge le jeu, donc. Sinon, information intéressante, ceux qui ont Prime, c'est Star Wars Battlefront 2 qui est disponible. Voilà. Je l'ai déjà. J'ai déjà. Moi, je joue quelle... Toi, t'es plutôt quelle classe, toi, Pochini? Moi, en vrai, moi, je joue tout. Hein. À tu part à part genre Assassin, un truc comme ça, j'aime pas. Ok. Je pense que Kaku il va faire bourrin. J'ai envie de jouer clair en vrai. Vraiment le clair. Mais... Non, je pense que Kaku il va jouer clair. Il a vu la coupe de cheveux. Bonjour et... Tu veux faire quelle classe? Attends, je viens de lancer le jeu. Welcome to Early Access. C'est en anglais, je comprends pas. Non, t'appuies sur OK, tais-toi. Attends, je baisse le son du jeu parce que je suis en train de me faire enculer les oreilles. Il est parti, Huglo? Non, je suis toujours là. Ouais, hein. Mais t'es plutôt du genre à jouer quelle classe, toi, Kaku? Je sais pas ce qui est disponible. Ouais, mais il y t'es y a pas mal, hein. Bourrin. Ouais, t'as... Ça dépend du gameplay, je peux jouer bourrin comme heal, comme mage. Ok. Donc tu t'en fiches?
T'as pris quoi, toi, Wizard? Bah, je sais pas, il y a Bard qui me paraît cool. Oh, il y a le Bard! Ouais, mais je le prends. Bard, qu'est-ce qu'il fait? Crowd control, soir. Ah, mais il y a le voice en jeu! Il a une rapière, oui. Moi, je prends Bard. Faudrait qu'on espère. 8 TGO. Bard, ok. Bah, Bard, c'est support, du coup. Et oui. Du coup, c'est à 3 max, on est d'accord? Oui. Ouais, c'est à 3 max. Ouais, je crois que c'est 3. Moi, je fais un petit pré-téléchargement. Non, bon, je l'aurai dans une heure, donc. T'es sûr que c'est 3? Ouais, bah non, c'est 3. Non, j'avais vu déjà du gameplay, etc. Je crois que c'est que 3. Donc bon, c'est pour ça que j'ai dit, pour faire patienter un peu pour Développeur Digital, même si vous n'allez pas réagir. Voilà quoi. C'est... Alors. Oh, le druide, il se transforme en plusieurs animaux. Est-ce que je peux être Batman? C'est-à-dire? Non mais Wizard, tu joues Wizard. Alors attendez, je vais faire la liste déjà de ce qui a été prononcé dans l'ordre des Summer Cat. Oh, il y a un mec tout nu et torse nu. Je sais pas quoi jouer. Oh, la tronche du clair. Mmh. Putain. Merde alors. Attends. Putain, tu joues quoi, tu dis, Wizard? Je suis Bard. Bard, c'est healer. Mais du Bard, allez. Tu joues quoi, toi? Moi, je sais pas, là. Je jouerais bien. Ah, mais il y avait un peu d'une femelle. On peut être fumeux. Alors. Summer Fest. Je jouerais bien Barbarian. À quoi? Tu veux jouer le corps à corps, toi? Vas-y, bah, je vais prendre un distance solar aussi, je pense. Alors, moi, je refais un récap vite fait de ce qu'on a eu en total, en vrai. Vite fait. Alors, capture de fenêtre. Voilà. Voilà, là, c'est bon. Donc, mais pourquoi j'ai pas le nom? Alors, déjà, voilà. No oh, more, ce nom. Oh, ce nom. Déjà, on a ce jeu-là. No more... No More Room in L2. Ça, c'était très bien. Je vais comment se rejoindre, du coup? Peut-être prendre de sorcier, moi. Fini. Le nom, il me rentre pas. Moi, je vais faire une... Je vais prendre Wizard classique, moi. La classe Wizard. Bon, là, il y a non, eu... Non, je vais juste prendre Wizard, alors, du coup. Il y a eu Harry Potter, le Quidditch, là, qui était pas terrible. Ça a l'air bien de chier. Ensuite, là, c'est quoi? Ah, si, attends. Lobby. Il y a ce jeu très drôle que Wizard a aimé, là, genre. Ah oui, Post. C'est bon. Mais comme... Ah. Attends, je vérifie quand même sur le titre du jeu. Pas... Ah, on peut vous inviter les personnes. Ok, comment on fait pour inviter les personnes? Ma invitation, non? C'est une invitation. Attends. C'est quoi vos noms? Attends, mais déjà... Merci, putain, j'ai dû mettre des noms, des trucs, des bidules, des chouettes. C'est quoi votre nom de compte? Moi, c'est Wizard classique. Moi, c'est Pochiche. Wizard classique, ok. Attends, est-ce que c'est pas toi? Ah non, c'est Wizard 45. Wizard 45, online. Oui. Bah, est-ce que sinon, non, tu vas dans... Tu as une invitation. Est-ce que t'as une invitation ou pas? Non. Essaye Wizard tout court. Ah, par contre, ouais, je le vois. Mais ça va être trop chaud de trouver des noms. Ils sont tous Nevelable. Oui. D'accord, ouais, c'est... Et si c'est Wizard tout court, c'est justement, je te parle du nom du compte, pas le nom du personnage là. Ah. Comment d'accord, c'est... c'est. Ouais, c'est donc moi, bien fait dans Z4C, le. Moi, c'est Z4C. Parce que c'est ça qui n'a pas. C'est marqué pas dans le. Z4C? Ouais. Z majuscule. ZKC. Z4C. On peut mettre aucun caractère spécial? Non, mais c'est abusé. Non, ouais, et du coup, ouais, c'est fait par le. C'est bien fait par le dev qui a fait Chouchou Charles. Voilà. Le jeu avec la prison, etc., à faire tout péter. Cool. Ensuite, ça, et c'est il quoi faut... Ah bah ça, c'est le même jeu que j'ai vu, là, donc... La alors, gueule pardon. Star Wars. Là, c'est quoi? Ah, si, Neva. Ça, je pense que ça va se reparler sur le direct en live. De... Online. Pochiche. Quand ça, ah. Comment ça, la gueule? Qu'est-ce que tu vois, ma gueule? Ah, Civilization 6, oui, c'est vrai, j'avais vu en plus un tweet. 7, ah, 7, pardon, 7. Excuse-moi. Bah, parce que je pensais que. Parce que je pensais que. Parce que le 5.
Non, parce que le truc, c'est que je pensais que le 5... parce que je vois pas mal de gens qui jouent au 5, mais c'est possible que ouais, j'avais oublié le 6, quoi. Non, le 5... Putain, il y a un shop. Ouais, il y a un shop, moi. Ah, après, putain, c'est vrai que le premier truc qui était annoncé, c'est quand même le Lego Horizon. Vraiment. Oui, on s'en bat les couilles. Après, il y a Once Human. Mais vas-y Ah, il y avait le jeu vert t'inquiète Batman. Pas, j'ai dit LOL. J'ai seconde 1, j'ai mis un bon nom. Ça, c'est quoi c'est, bah, personne Ah oui, ça, c'est... Ouais, ouais, ça, c'était le jeu RPG Meta. Comment on peut faire pour changer les voix options? Est-ce que je suis encore assis? Street Fighter. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est du QWERTY. Ça, ouais, Tier of Metal, ça c'était pas trop mal, c'était le Rock Lag, etc. Langage, français, je mets en français, mets en français le jeu. Dragon Ball. Ça dans options, voilà, général. Tetal Force, bon ça c'était le jeu moyen, ouais. English, franche. Ça c'est franche, le nouveau, ouais. Ah, appli. Ah. Raccourci. Ok, donc ça m'a l'air un nouveau jeu parce qu'il y a marqué Fatal Fury. Ok, donc le nouveau, il y a un nouveau Fatal Fury, ok. Oui. Il y a aussi un DLC, je pense, de Battle. Ouais, il y avait le. Ouais, c'est. Je me suis rappelé. Et Battle Crush. Bon, un jeu. On va passer vite fait, hein, mais. Ensuite, il y a les Condam. Ça, j'ai. Comment je suis pour quoi ton nom? Ah, je n'arrive pas à faire un perso. Il y a tous les noms qui marchent pour. On est d'accord. Mets des numéros. Non. On est d'accord que on n'est pas amis encore, Wizard. Non. Comment on fait pour se trahir? Parce que je fais clic droit, je peux pas faire. Ça me dit de bloquer, okay. Mais je peux pas faire. Juste alors, un... j'ai, là, j'ai vu vite fait. Et ceux qui font les Power Rangers, c'est pas les, ça n'a pas l'air les mêmes qui ont fait les Tortues Ninja. Ça ressemble. C'est bon, j'ai réussi. Mais c'est pas bon, les. C'est mais c'est pas les bons. On peut pas personnaliser les personnages. Non, pas encore. Ouais, ça, c'est Plum House avec les différents jeux. Il y a ton jeu avec Lorraine, Wizard. Oui, Dear and Boy. Ça, je fais aussi. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Oui, oui. De qui? Mais toi! Wow ah. Ton nom de compte, hein? Tu comptes pas ton nom du perso. Ah, le nom de compte, ma pochiche. Kidom comme Deliverance. Ah, oh, il a comme. Je trouve pas. Pochiche, tu mens. Mais si, c'est ça. Pochiche, sans P majuscule, je suppose, je suis un connard. Oh! Alors apparemment, le jeu où on prend possession des gens, enfin le truc bizarre avec monstre contre monstre. Ouais, chiche. Bah apparemment, ouais, c'est... Il y a aussi le créateur... C'est aussi le créateur de Celebrity Hugo, qu'est-ce que tu fais sur live? Bah et attends, je fais un topo, oh. Mais juste, nous on est en train de faire nos merdes à côté. Poichiche, c'est quoi ton pseudo? C'est Poichiche chez vous là? Non, mais c'est Poichiche la beuteux. Eh Hugo, on va peut-être changer. On dérange en vrai, donc. Bah tout si, je vais faire un résumé et puis je vais partir réagir à Devoir Digital. Je vais vous laisser le vocal. On se met sur l'étal compagnie notre salon sur Tartiflette Room. Allez, moi je vais vous laisser. Je vais réagir peut-être au Devoir Digital. Ciao. Allez ciao. Moi je vais me branler. Voilà. Bon bref. Du coup. Horrible la conf. Bah, ça va, il y a eu des bonnes surprises en vrai. T'as dû avoir. Moi, ça va, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques bons jeux intéressants de gauche à droite, mais c'est vrai que. Ah, il aurait pu avoir meilleur. Attends, je vais vous mettre un peu de musique au fond quand même. Voilà. Full pub. En vrai, ouais, il y avait un peu pas mal de pubs en vrai aussi. Hein. Il y avait pas mal de pubs. Mais ouais, après, voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que il y a le créateur de Silent Hill qui bosse sur ce jeu-là, que j'avais vu, voilà, le jeu où on contrôle possession et ça, là, voilà. Et ça, c'est fait par le. C'est un peu avec le créateur, etc. Mais toi, après, t'as. Bah attendez, après, moi, mon personnel, mon banger, c'est celui-là, quand même, hein, c'est quand même Killer Bean, hein, quand même. C'est quand même Killer Bean, hein, c'est le chef-d'œuvre du 7ème art, hein, quand même. Attends, Gaming nous rend nous le 3 sale fraude la même environ énorme celui-là. Bah en vrai même si parce qu'en vrai même tout le monde tous les personnes qui étaient dans mon vocal ils faisaient Killer Bean c'est quoi alors que bon il faut connaître et
Genre vraiment voir Killer Bean dans la conf, je m'attendais pas. Hein. Après, ça va, il y a eu quand même de bonnes surprises. Là, je suis en train de faire la liste un peu des jeux que j'ai bien appréciés. Bon, pas un seul gars en plus. Ouais, en plus. Hein. Il faut, le film, il est aussi très drôle. Hein. Ça, c'était quoi ? Ah oui, c'est. Ah oui, bah, ça, c'est le jeu Inox. 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 Voilà, c'est le jeu de la montagne escaladée. Il est pas trop mal en vrai. Ah, trop bien, il y a quand même un qui... il y a le dev qui dit, désolé, mes Français... Ah d'accord, non, c'est pas le dev, ok. Ouais, pour les Français, ouais, bah, ça... C'est ça, pour ça que je trouvais ça drôle que c'est les Français, parce qu'évidemment, ils n'ont... ça, c'était quoi, déjà? Ah oui, ça, c'est par le mec qui a fait... voilà, par les créateurs de Stanley Parable et Pinguiner Guide. Ça, ça a l'air pas trop mal en vrai. Hein. C'est vraiment, en plus, vers la partie où ça s'est intéressé, c'était intéressant, voilà. Donc, en vrai, pourquoi pas. Ça, c'était quoi ? Un autre... ah, ça, oui, ça, j'avais vu le gameplay, prendre possession, etc. Bon, je pense qu'il y a eu d'avoir des jeux bien avant ça. Ça, voilà, ça, c'est le jeu où, bah, je savais pas si c'était Espagne ou Italie, mais... Mais bon, il a l'air pas trop mal, mais bon, c'est pas trop mon truc, quoi. Ça, c'est quoi ? Ah oui, ça, c'est... On s'est marré à se moquer avec des publicités, etc. Voilà, c'était First Descender, pour ce qui demandait. Mais là, après, voilà. Et ça, en vrai, il y a l'air d'avoir de bons jeux, en vrai, que proposent les devs qui s'occupent de Among Us, là, avec leur système de... de hauteur slot pour tout simplement parler des jeux qui vont être bien plus loin, quoi. C'est pas trop mal en vrai, pourquoi pas. Ah voilà, et donc du coup, voilà, là c'est la série. Bon, en vrai, vu que c'est le style Among Us, ça peut passer. C'est juste que j'ai un peu peur comment ça va se jouer dans le scénario, parce que voilà, là on présente quand même tous les Among Us, et en quelque sorte, tous les Among Us, ils sont plutôt gentils, on va dire. Il y a juste... Voilà, le vert, de ce que j'ai compris, c'est fait... c'est doublé par... comment je peux dire ça ? C'est doublé par celui qui joue Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Le vert, c'est le seul que je connais, quoi, dans le truc Jack Black. je ne crois pas qu'il y a Jack Black, en plus. Mais voilà, donc voilà, il y a toute la liste, c'est celui-là, c'est Elijah Wood. Non, c'est le seul que je connais, parce que les autres, bon, je vais pas mentir, voilà, il n'y a même pas chaque Black en plus, tout comme quoi. Et voilà, du coup, ça arrive bientôt, mais ah, il y a le site internet, bon, on va pas y aller dessus pour voir plus d'informations. Ah oui, ça c'est Sonic et Shadow, bon. Du coup, on sait toujours pas si ça va parler de des missions concernant les jeux Shadow, genre, bon, je pense que oui, en vrai, il y aura le côté. Comme dans Sonic Adventure 2, le côté Team Hero et Team Dark, je pense qu'il y aura ça comme truc, mais est-ce qu'il y aura Shadow le hérisson avec les niveaux du jeu, avec les armes? Je ne pense pas. Mais pourquoi pas. Là, après, il y a Dune. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. Après, c'est un MMORPG, donc pourquoi pas. Mais bon, c'est pas mon style. Là, ah oui, bah ça, c'est le, c'est le StarCraft, donc on va passer. Ah ouais, ça c'est ce final, ça, c'est pas trop mal comme jeu, c'est... Alors, en plus on aurait pu jouer à ce final en vrai, mais... 20 jeux chap... Ah ouais, putain, ouais. j'ai pas compté en total, mais... Ah oui, bah ça c'est New World, là, ça c'est New World. De toute façon, quand il y a Amazon, c'est New World. Hein. Ah, bah là c'est ce bon vieux Alan Wake, enfin, c'est MySpain principalement, mais... En vrai, ça a l'air pas trop mal en vrai. Le fait qu'ils proposent des DLC, un petit DLC concernant. Parce que déjà, le Night Spring, comment c'était montré, c'était pour dire la quatrième dimension. Donc, déjà, c'est très très fort. Et bah, en vrai, ça pas tout et canon du coup. Ouais, c'est bien ça. Et surtout qu'en plus, c'est-à-dire qu'avec Control, c'est lié quoi. C'est très très lié. Alors, attends, ça, j'avais vu. Ouais, j'étais pas sûr, parce que... Voilà, donc TikTok. Ah bah, ça, c'est... On caille, ça, c'est bon.
Voilà, ça c'est, bah, c'est là du coup c'est le jeu que je pourrais pas jouer ce soir parce que si je télécharge ça va mettre du temps, mais voilà, c'est un jeu très très fun. J'avais vu Astéro y jouer et en quelque sorte ce que je sais comme histoire, c'est en gros que les devs ont pris le jeu et ils se sont fait engueuler par d'autres, les vraies personnes qui ont fait ce jeu, donc voilà. Mais apparemment ils ont ressorti pour vraiment l'offrir gratuitement et du coup voilà, c'est un PVPVE, donc et c'est très très dur, surtout que le fait déjà de combattre contre des gens normaux, et ben c'est très très dur de jouer de façon à ce gameplay quoi. Ensuite il y a quoi? Ah ça c'est Capcom, c'est quel jeu? Alors ça c'est un, ouais ça c'est un nouveau jeu qu'ils proposent je crois. Les jeux Capcom, à part Megaman, mais les autres jeux sont sympas, mais tu vois, le nouveau, je pense pas qu'il va, il va faire son grand succès. Ça, c'était pas trop mal. En vrai, j'aime bien les graphismes et surtout bah, le fait qu'on peut jouer en campagne coop. Surtout que Hyper Light, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est un jeu indé assez connu, mais voilà, c'est Hyper Light Drifter. Ok, c'est pour ça. Ouais, c'est parce que vraiment le style me disait quelque chose, les personnages et tout, donc mais très très bon jeu et du coup ils ont sorti ah oui, en plus oui, bah, c'est ceux qui ont fait Solar Ash, donc clairement compréhensible, mais du coup ça ajoute un peu plus dans le Valorant sur console. Ah oui, ça j'avais oublié, attends, est-ce que je vais le trouver ici, parce que attends, il y a Party Animal, il faut pas oublier que Party Animal ils ont eu quand même leur partie conférence et bah après, c'est parti sur un autre truc. Là, genre Skate, c'était ça, ouais, c'était Skate. Skate que j'avais dit que c'était pas trop mal sur la alpha, du coup. Hein. Et à Pavor, c'est vrai que Pavor, ils ont proposé un nouveau pack. Voilà, Valorant sur console. Voilà, clairement. Voilà, Squad, tout ça. Ah oui, bah ça c'est pour parler de Pixar, c'est vrai. Voilà, c'est de ce que j'ai compris. Lui, il fait pas. Ouais, bah, c'est ça. Voilà, je crois que c'est. Lui, il fait le personnage qui sera dans. Dans Vice Versa. Donc, pourquoi pas. Hein. Ouais, Vice Versa, ça l'a pas trop mal en vrai, déjà. Le... Ensuite, il y a Monster Hunter. Voilà, Phantom Blade. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà. Bon, ouais, ça va, hein. Il y a l'air d'avoir des bons jeux. Alors, attendez, je vais vous montrer vite fait mais les jeux que j'ai bien appréciés, en vrai. Et... Voilà, il y a déjà celui-là, No More Rome in Hell, hop là, qui a l'air pas trop mal. Attends, je vérifie si c'est ceux qui... Ah, il... Attends, c'est les mêmes devs, attends. Tom Banner. Oh, attends, c'est sympa ça. Attends. Je vérifie quand même si c'est eux à 100%. Ça veut bien, hein. Je sais pas pourquoi ça charge. Voilà, bah, super, il m'emmène directement ici. Hein. Je sais pas pourquoi. Comment il a du mal. Mais voilà. Ah oui, c'est. Ok. Bah, je savais pas. C'est ceux qui ont fait Chivalry. Ok, pourquoi pas, en vrai. Ensuite, il y a. Batman VR, envie de mourir. Ah oui, voilà. J'ai envie de te dire, j'ai entendu en plus, j'ai parlé de Batman, je me suis dit, bon. Ensuite, ça, c'est fait par le même mec qui a fait Chouchou Charlie, là, enfin Charles, là, avec le train, là. Donc, pourquoi pas, après. Ouais, donc c'est solo contre Cetera, succès, tout ça. Donc, pourquoi pas. Celui est drôle. Ouais, celui-là, il est drôle. Ouais, ouais, il a l'air drôle. Il a l'air drôle à jouer avec des amis et tout. Ensuite, ouais, le garçon et le cerf, en vrai, vraiment, les graphismes sont très sympas. En vrai, j'aime beaucoup ce petit style-là. À la fois mignon, mais bien éclairé et tout, donc... Et surtout que ça m'a l'air un peu ressemblé un peu à Never Alone, un peu. Ce même style-là où tu joues... une fille amie avec une renarde, donc moi j'aime beaucoup. Attends, hop, on va les ajouter parce que je sais même pas s'ils sont gratuits ou pas.
Et après, ouais, du coup, il y avait lui là que j'avais. Bon, c'était pour l'autre jeu, mais voilà. Principalement, c'était mes trois que j'aimais bien. Voilà, principalement. Bon. Bon, bah maintenant. Maintenant, c'est au tour d'attendre directement le direct de Devolver. Hein. Est-ce que t'es chaud pour regarder le direct Devolver Darkos? Parce que là, il est à 2h du matin et surtout que là, j'ai. Attends, je vérifie quand même, c'est sur quelle chaîne en particulier, sur quel direct? Twitter. Ouais, évidemment sur le site directement, mais. Ouais, streaming. Ok. Salut! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu veux qu'on se moque ou. Non, ouais, après, en plus, le direct de Devolver va être très fun. Hein. Force à toi, bonne conf. Ah, ok, tu t'en vas, d'accord. Je vois. Bon, après, les conférences Devolver, c'est sur le plus dur, mais c'est toujours le petit truc sympa, quoi. Et voilà, du coup, pas trop mal ce direct. Je vais essayer d'être présent pour. Alors, attends, il faut que je revoie la liste des directs. Je crois que le prochain qui sera le plus intéressant après Devolver, c'est le Xbox Game Show le 9 juin à 19h. Et après, c'est le PC Gaming Show. Voilà. Ah, il y a aussi Ubisoft, mais voilà. Ubisoft, je sens que ça va parler de Star Wars Outlaw ou des trucs comme ça, donc voilà. Puis voilà, hein. Bah, vous savez quoi, je vais essayer de faire la miniature en avance en attendant, parce que là il reste, on va dire, vite fait du temps. Mais voilà quoi. Comme ça fera une petite détente. Hein, voilà quoi. Ah, par contre, je vais être un peu plus discret pour Devolver, hein, parce que là j'aurais. Parce que j'ai dit que je vais être tranquille pour ce soir, mais là malheureusement. Ça va être. Là, il y aura la famille qui va arriver dans la soirée, donc je vais être plutôt discret.